Ces gars-là, qui brandissent leurs bracelets rouges comme une victoire, je vais m'adresser à eux. Vous avez l'air tellement heureux, les gardes-côtes viennent de vous récupérer. Vous pensez que vous avez gagné la partie? Tout le monde vous félicite, vous applaudissent. Quel courage! Quelle folie, quelle bêtise, oui. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je vois déjà sur ce bateau les Blancs vous gérer. Ils vous sauvent. Vous allez dépendre d'eux pour la suite. Votre avenir repose sur leur bon vouloir. Les gentils Blancs qui aident les pauvres Noirs, ça ne me plaît pas. Ça me rappelle de très mauvais souvenirs. En brandissant vos poignets à bracelets rouges, vous faites la publicité d'un monde à venir que vous ne connaissez pas. Une Europe fantasmée, des rêves de vie facile, l'argent facile. Vous n'avez pas idée même de ce qui vous attend. Rien ne correspond à ce que vous imaginez. Vous vous trompez. Et beaucoup plus grave, vous trompez les autres, vos frères, vos fils. Pour une poignée de bracelets rouges, combien de blessures, de tortures, de brûlures, combien de noyés qui hantent le fond des mères et leurs bébés, des enfants morts qui flottent comme des poissons morts. Une jeunesse africaine qui subit les pires humiliations en Afrique du Nord, la Libye, le Maroc, qui ont réinventé l'esclavage moderne. Mille et un récits dignes de films d'horreur. Vos fils et vos frères et vos pères, pourchassés, qui dorment dans la forêt comme des bêtes. Vous le savez, affamés, assoiffés, exploités, méprisés et battus. Quand vous brandissez votre bracelet rouge, c'est le rouge du sang coulé. Et qui coulera tout ça? Pourquoi? Votre pays est en guerre? Vous êtes des réfugiés politiques? Vous abandonnez vos terres et vos mères pour une aventure mortelle. Les dangers de Tanger sont bien réels, très cruels. Filles et fils de la Côte d'Ivoire, ne vous laissez pas séduire par ces sourires victorieux. Comme la légende des marins séduits par le chant des sirènes pour enfin les dévorer. Ne vous laissez pas dévorer. Restez en vie. Restez. Résistez. Réussissez. S'il vous plaît, loué soit Jésus-Christ. Loué soit Jésus-Christ. Loué soit Jésus-Christ. Nous reprenons nos travaux, mais avant la présentation du panel, je vais passer la parole à Monsieur Jean-Baptiste qui a une adresse très importante pour la communauté ici rassemblée, une adresse de son Excellence le cardinal Michel Zemi, préfet du dicastère pour le service du développement humain intégral, à l'occasion de ce colloque. Jean-Baptiste. Merci, et je voudrais d'abord dire merci à son Excellence Monseigneur Samuel Cléda, à qui le message a été annoncé et qui m'a autorisé de pouvoir le lire pour nous, pour traduire la communion de l'Église universelle à ce que nous faisons depuis quelques jours et qui ira, n'est-ce pas, jusqu'à vendredi prochain. Voici la teneur de ce message que nous avons reçu du cardinal Michael Cerzi, qui est le préfet du dicastère pour le service du développement humain intégral, à l'occasion du colloque international sur la pastorale des migrants et réfugiés, colloque qui se tient à Douala du 12 au 17 juin 2003. Bien, merci. Vous-même, vous avez fait la correction. Merci infiniment. Quand je dis « je », ce n'est pas moi, c'est le cardinal. J'ai le plaisir de vous adresser ce message à l'occasion du colloque international visant à rédiger un guide pastoral devant aider dans l'animation de la pastorale des migrants et réfugiés qui se tiendra à Douala du 12 au 17 juin 2023 dans le cadre des travaux de l'Association des conférences épiscopales de la région de l'Afrique centrale, entendez à Sérac. Le dicastère pour le service du développement humain intégral se réjouit de l'initiative prise
par les évêques des pays appartenant à la CERAC pendant la dernière assemblée plénière tenue en Guinée équatoriale au mois de juillet 2022, de créer la commission sous-régionale pour la pastorale des migrants que vous, Excellence Monseigneur Samuel Cléda, présidez. Il s'agit là d'un bel exemple de collaboration entre églises locales que le dicastère encourage et accompagne bien volontiers. En effet, la dimension transnationale de la question migratoire qui exige que les réponses soient, dans la mesure du possible, à la fois locales et régionales, il est besoin d'une collaboration de plus en plus étroite entre les églises des pays concernés par la migration afin de mieux contribuer ensemble à l'accueil, à la protection, à la promotion et à l'intégration des migrants et réfugiés. Cette stratégie apparaît d'autant plus nécessaire dans votre région si l'on considère que les mouvements migratoires intéressant l'Afrique centrale concernent surtout des jeunes, ce qui fait qu'à la vulnérabilité souvent associée à la condition de migrant ou de réfugié s'ajoute celle propre à la jeunesse. À cet égard, il me plaît de rappeler que même le droit international reconnaît que l'enfant, je cite, « l'enfant, en raison de son manque de maturité physique et intellectuelle, a besoin d'une protection spéciale et de soins spéciaux, notamment d'une protection juridique appropriée. » Aussi, je vous exhorte à tenir compte dans vos choix pastoraux de cette vulnérabilité spécifique des enfants et des jeunes afin de contribuer de manière adéquate à leur épanouissement moral, spirituel, social et économique. Je saisis cette occasion pour vous renouveler la disponibilité du dicastère que j'ai l'honneur de présider, de vous accompagner dans le respect de vos prérogatives dans le chemin pastoral que vous entamez. À ce propos, je désire souligner que si la section migrants et réfugiés a été récemment intégrée complètement dans le dicastère, ce n'est pas pour autant que la pastorale des migrants et réfugiés a perdu d'importance. Bien au contraire, elle continue de représenter l'une des préoccupations principales du pape François. Elle compte parmi les priorités du dicastère, telles que restructurée à la suite de la publication de la Constitution apostolique Praedicete Evangelium. En conclusion de ce bref message, je voudrais vous encourager à aller de l'avant dans cette initiative en gardant toujours à l'esprit l'exhortation du pape François. Je cite, à reconnaître dans le migrant non seulement un frère ou une sœur dans le besoin, mais aussi le Christ lui-même qui frappe à notre porte. Je vous souhaite des journées de travail fructueuses. Je crois que c'est à nous tous que ce souhait s'en va et je vous remercie. Les applaudissements ne sont peut-être pas à la hauteur de ce qui vient d'être lu. On va même aller plus loin, il faudrait même qu'on chante. Louange à toi Seigneur, roi d'éternelle gloire. On y va. Louange à toi Seigneur. Est-ce que vous pouvez applaudir encore très fort? Nous allons passer tout de suite à cet agape intellectuel. Et je vous présente, une fois de plus, Monseigneur Jean-Vincent, avec le monde des entreprises de l'Université de Douala. Monseigneur, merci. Merci. Sinon,
nous allons continuer les travaux de ce matin. Et notre panel porte essentiellement sur les aspects socio-économiques de notre... Notre souhait consiste donc à avoir quelques propositions des spécialistes pour l'humanisation du phénomène migratoire dans la sous-région Afrique centrale. D'emblée, nous passons la parole donc à Bangui Limana, représentant donc de l'Institut du Even, pour son intervention. Merci, Monseigneur. Comme il l'a dit, je représente l'Institut Louis-Evin du Canada. Et avant de commencer, permettez-moi de remercier Son Excellence Monseigneur Samuel Kleda, archevêque métropolitain de Douala, qui est un grand ami des pèlerins de Saint-Michel, qui a déjà été au Canada 3 fois pour suivre nos enseignements sur la démocratie économique. Au fur des années, depuis 2008, nous avons reçu au Canada plus de 70 évêques qui provenaient des différents diocèses d'Afrique pour étudier la démocratie économique vue à la lumière de la doctrine sociale de l'Église. Parmi ces évêques, il y a Monseigneur Jean-Vincent qui, avec moi, il a déjà été chez nous au Canada. Monseigneur Basile Mbé Ngono, archevêque de Libreville, je ne sais pas s'il l'est toujours. On a reçu Monseigneur Cyril Nestor du Centrafrique. On a reçu Monseigneur Mathieu Madega. En 2012, nous avons aussi eu le grand privilège de recevoir le recteur de cette université de Saint-Jérôme, Sa Majesté Emmanuel Pohoé. Il était aussi parmi nous au Canada pour suivre les enseignements. Donc, je vous remercie beaucoup. Je voudrais d'abord vous présenter un peu de mon l'Institut Louis-Evin et vous dire pourquoi nous sommes ici. L'Institut Louis-Evin pour la justice sociale a été fondé par M. Louis-Evin au Canada en 1935 dans le but de faire connaître la réforme économique de l'ingénieur écossais Clifford Hugh Douglas, connu sous le nom de démocratie économique, qui garantirait la sécurité économique à chaque individu. Le siège social se trouve à Logement, un village que certains parmi nous connaissent. Cet institut est connu aussi sous le nom de Pèlerin de Saint-Michel ou Béret Blanc, et nous publions 5 fois par année une revue appelée Vers demain, puisqu'elle vise à obtenir un lendemain meilleur qu'aujourd'hui, un lendemain sans migration forcée, un lendemain là où les hommes peuvent circuler librement sans être forcés de quitter leur village et leur pays. Le but de l'Institut est d'obtenir l'application de la démocratie économique par l'éducation du peuple. Ici, le mot important, c'est l'éducation. Il y a quelqu'un qui a dit qu'une nation éduquée, c'est une nation prospère. Aussi, quand on est bien éduqué, quand on connaît ses droits, on se fait moins abuser par les décideurs. Donc, c'est pour ça que nous privilégions beaucoup l'éducation du peuple. Puisque la force des financiers vient de l'ignorance du peuple sur la création d'argent sous forme de dette par les banques privées. Maintenant, on va voir la pauvreté en face de l'abondance. On le sait tous, sur la terre, il y a des ressources pour nourrir plusieurs fois tous les habitats de la planète. Mais le problème, c'est la distribution qui fait défaut. La plupart des gens manquent le pouvoir d'achat, de moyens monétaires pour se procurer le nécessaire pour vivre. Que l'humain soit en Afrique, au Canada, en Europe, au Cameroun, il peut fournir la même quantité de travail manuel. La grande raison pour la différence du niveau de vie des pays occidentaux et d'Afrique et que les Africains n'ont pas accès à l'héritage technologique des inventions qui permettent de produire davantage moins de labeur humaine. Et cet accès aux nouvelles technologies est bloqué par les raisons financières. Si vous me suivez très bien, il y a toujours
des réseaux financiers qui reviennent. Puis on sait que le système financier, on dit l'argent, puis qui dit système, dit les hommes et les femmes derrière un système qui le contrôle. Dans ces mêmes moyens aux Africains, et ils étonnent. À ce sujet, nous aimons répéter des paroles que le pape Jean-Paul II, lors de sa deuxième visite en Afrique, adressée au président du Nigeria le 12 février 1982. Toute l'Afrique, lorsqu'on la laissera gérer ses propres affaires, sans qu'il y ait quelque pression ou intervention, que ce soit de la part des puissances ou des groupes étrangers, non seulement étonnera le reste du monde par ses réalisations, mais sera aussi capable de faire partager aux autres continents et nations sa propre sagesse, son sens de la vie, son respect de Dieu. Personne ne peut rester indifférent aux problèmes de la pauvreté et de la faim dans le monde. Ici, je vais vous donner quelques chiffres qui vont probablement vous étonner. Si on arrive à manger, à se vêtir, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Et je pense que c'est ça qui fait qu'on va se déplacer d'une région à une autre pour chercher l'air de l'ado, comme le professeur l'a dit. Chaque jour, sur la planète, plus de 40 000 enfants meurent de faim ou de maladies qui ne furent pas soignées, faute d'argent. Chaque jour. Donc aujourd'hui, 40 000 enfants, ils sont décédés, faute d'argent ou de médicaments. À l'échelle du globe, plus d'1,7 milliard d'êtres humains doivent fouiller dans les poubelles pour trouver quelque chose à manger et se maintenir en vie. Plus de 100 millions d'enfants dans le monde vivent dans les rues, sans foyer, abandonnés par leurs parents qui ne peuvent plus s'occuper de eux. Je pense que même à Douala, on voit tout ce dont je parle, les sans-abri, les gens qui ne sont pas capables de manger. Et pourtant, la terre regorge de richesses. Vous allez voir un supermarché ou une boulangerie qui va jeter les restants non achetés à la poubelle alors qu'il y a des gens qui crèvent de faim. Donc c'est ça la pauvreté en face de l'abondance. Plus de 5000 décès enregistrés sur les routes migratoires européennes depuis 2021 jusqu'en octobre 2022. Vous comprenez, la migration est causée par la pauvreté et la faim. Et ici, c'est des morts qu'on est capable de comptabiliser. Imaginez les gens qui perdent la vie dans les déplacements interrégionaux ou entre les pays voisins. L'économie actuelle se permet de détruire 1,3 milliard de tonnes de nourriture annuellement, pendant qu'une portion de l'humanité souffre et meurt de faim. Pour mieux comprendre, si on fait un petit tour à Douala, son dos, je disais, on pourra voir la nourriture dans la poubelle déjà produite et puis les sans-abri qui ne sont pas capables de manger. Le problème, c'est quoi? C'est l'argent. Parce que pour que les biens rejoignent les besoins, ça prend l'argent. Donc, le vice de tout ce temps vie qui fait que nous quittons nos pays, nos régions, c'est le problème d'argent. Donc, pour arriver à un bon système, il faut qu'on réfléchisse quelque part comment on peut corriger ce système. Et pourtant, selon le Food Report de la FAO au début des années 2008, l'agriculture mondiale pouvait nourrir 12 milliards de personnes pour une population mondiale d'environ 6,3 milliards à la même époque. Vous comprenez qu'aujourd'hui, même la production agricole peut nourrir plus de 20-25 milliards avec la technologie qui a beaucoup avancé. Hier, quand j'ai écouté l'homélie de Monseigneur, je pense qu'il avait lu ma présentation. Il apparaît d'un coin de l'est du Cameroun où on peut produire 2-3 fois, cultiver, récolter, mais que les gens, malgré ça, quittent les régions. Donc, il y a un dysfonctionnement quelque part. Aussi, un autre point très important, sur la planète d'à peu près 7 milliards, 85 personnes, écoutez-moi bien, 85 personnes milliardaires, les plus riches au monde, possèdent autant de fortunes que 4,7 milliards d'habitants. 85 personnes
ils ont la même fortune que 4 milliards 700 millions d'habitants. Donc, vous comprenez qu'il y a les gens qui sont là pour bénéficier du système et les autres qui sont là pour souffrir du système. La personne humaine a besoin d'un minimum de biens matériels pour accomplir son court pèlerinage sur la terre, car Dieu a créé l'homme et la femme avec une âme immortelle. Il les a aussi créés avec des besoins matériels, se nourrir, se vêtir et se loger. Mais pour pouvoir se procurer la nourriture, les vêtements, le logement, les êtres humains doivent avoir l'argent pour les payer. Sinon, les produits pourriront sur les tablettes et la personne, sans le sou, révéla de fait. Donc, le produit sera là, mais on n'a pas les moyens de s'en procurer. En d'autres mots, l'argent est le droit de vivre pour l'individu. Sans argent, c'est la mort à brève échéance. Ceux qui ont le pouvoir de créer l'argent, les banquiers, contrôlent donc littéralement nos vies, comme l'ont mentionné avec raison le pape Pie XI dans son inscrit Quadragesimo anno en 1931. Il disait, je cite, « Ce pouvoir est surtout considérable chez ceux qui, détenteurs et maîtres absolus de l'argent, gouvernent le crédit et le dispensent selon leur bon plaisir. Par là, ils distribuent le sang à l'organisme économique dont ils tiennent la vie entre leurs mains, si bien que sans leur consentement, nul ne peut plus respirer. » Quelques lignes plus loin, le pape ajoutait que les gouvernements sont tombés en ras d'esclaves et sont devenus des dociles instruments des puissances de l'argent. Le vice du système financier actuel, c'est que pratiquement tout argent qui est en circulation est émis sous forme de dette. L'émission du papier monnaie est une fonction souveraine de l'État, mais les banques commerciales en prêtant à l'intérêt des crédits acceptés tout comme s'ils étaient du papier monnaie, ont réussi à endetter tous les pays du monde et toute la population. En fait, on le sait très bien, le pays le plus riche au monde, les États-Unis, c'est le pays le plus endetté au monde en même temps. Donc, vous comprenez que comment l'argent est créé. On crée la richesse, mais c'est un endettement quelque part. Le problème, c'est que lorsque les prêts sont remboursés, les banques exigent des remboursements d'argent qui n'existaient pas, d'où la nécessité d'effectuer de nouveaux emprunts et de s'endetter davantage. Louis Hervé a écrit tout au début de son institut une fable appelée « L'île des naufragés » qui explique bien son processus de création monétaire sous forme de dette. Ça va vraiment nous permettre de comprendre comment fonctionne le système actuel. D'un côté se trouvent les 5 naufragés sur une île qui produisent les différentes choses nécessaires à la vie et de l'autre, un banquier qui leur prête de l'argent. Pour simplifier notre exemple, disons qu'il y a un seul emprunteur au nom de toute la communauté que nous appelons Paul ou Pierre. Paul décide au nom de la communauté d'emprunter du banquier un montant suffisant pour faire marcher l'économie, disons 100$ à un taux d'intérêt de 6%. À la fin de la première année, Paul doit rembourser combien? 6%. Donc, il va rembourser 6 dollars. Combien qu'il reste? 94. La deuxième année, il va rembourser encore 6 dollars d'intérêt. Combien qu'il reste? 88. Mais, toujours à rembourser les intérêts, la dette de 100$, elle est toujours écrite dans les papiers. Ça, on le sait très bien. On rembourse les intérêts, mais la dette est toujours là. Après 17 ans, tout l'argent de 100$ que le banquier a prêté ne va plus exister et la dette va toujours être là. Donc, vous comprenez que l'argent est créé à partir de les écritures et puis sous forme de dette. Donc, le temps passe, je vais passer à la proposition maintenant de l'Institut Louis-Hervé. Dans le système actuel, on semble n'avoir le choix qu'entre s'endetter davantage ou bien crever de faim, ce contrôle de l'argent par des intérêts privés est la plus grande escroquerie de tous les temps et a entraîné des conséquences désastreuses telles que les guerres, les crises économiques.
C'est pour cette raison que Louis Hervé décida de propager la doctrine de la démocratie économique ou crédit social, un ensemble des principes et des propositions financières énoncées pour la première fois par l'ingénieur écossais Clifford Hugh Douglas. Le mot crédit social signifie argent social, un argent émis par la société en opposition à l'argent actuel qui est un crédit bancaire, un argent émis par les banques. La démocratie économique enseigne que tous les hommes et toutes les femmes sont les co-héritiers, les copropriétaires des ressources naturelles et du progrès, des inventions des générations précédentes. C'est essentiellement ce que le pape Jean-Paul II écrivait en 1980 dans son inscrit « Laborerum exercens » sur le travail humain. L'homme, par son travail, hérite d'un double patrimoine. Il hérite d'une part de ce qui est donné à tous les hommes sous forme de ressources naturelles, d'autre part de ce que les autres ont déjà élaboré à partir de ces ressources naturelles, en réalisant un ensemble d'instruments de travail toujours plus parfaits tout en travaillant. L'homme hérite du travail d'autrui. C'est ce que Douglas appelle l'héritage culturel, les ressources naturelles et le progrès, qui sont les deux plus grands facteurs de production, bien plus importants que le labeur humain ou la finance. Vous avez largement dépassé. Ok, merci beaucoup. Alors, ce que la démocratie économique propose, c'est que l'argent soit créé sans dette pour financer les besoins du pays. Ce qu'elle propose, c'est que tout soit réellement capitaliste, c'est-à-dire propriétaire d'un capital, une maison, l'opérateur pour cultiver des outils, etc. Donc on peut dire que tous les hommes, nous sommes des propriétaires ou bien des copropriétaires des richesses d'un pays. Tous les Camerounais au Cameroun, on est des propriétaires des biens naturels du Cameroun. Donc il faut que nous tous, nous soyons des ayants droit de ces richesses naturelles du Cameroun. Bon, nous disons merci à Philbert. On ne peut pas tout dire, mais je crois que vous avez dit l'essentiel. À présent, nous passons donc la parole au professeur Bertrand Tamon. Là aussi, nous essayons de préciser 15 minutes de parole. Merci. Donc, on va aller au pas de course. Toute ma déférence à la CERAC et à Monseigneur Samuel Gréda, archevêque métropolitain de l'archidiocèse de Douala. Ma déférence à Monseigneur Rondo, modérateur. Toute ma déférence à mon patron hiérarchique ici, le professeur Ekambi, avec lequel j'ai l'honneur de partager cette table. Et merci à l'abbé Clément Aboudi d'avoir pensé à notre modeste personne pour une contribution dans cet important colloque. Il nous a été demandé d'exposer sur la dimension socio-économique du phénomène migratoire. Il nous a semblé humblement d'aborder ce thème à travers une petite analyse sur le sujet de la migration des travailleurs qualifiés, brain drain ou brain trade. Traduction, est-ce la fuite des cerveaux, ou plutôt un commerce des cerveaux. Le plan de notre exposé se décline comme il suit, et comme nous sommes pris par le temps, on va y aller vite. On va commencer par quelques chiffres pour rappeler, comme hier, depuis hier, il nous est dit ici que vers mi-2020, 280 millions et demi d'êtres humains étaient en situation de migrants. Et les chiffres récents de la division des affaires économiques et sociales de l'ONU indiquent que l'écrasante majorité de ces migrants est constituée de personnes en âge de travailler, ce qui nous a amené à choisir ce prisme pour exposer sur la dimension socio-économique du phénomène migratoire. Cette question est généralement traitée dans la littérature à travers la notion
de brain drain, c'est-à-dire de fuite des cerveaux. Et de prime abord, ce prisme a induit qu'il existerait une relation négative entre la migration des travailleurs qualifiés et le développement économique des pays d'origine. Or, les résultats empiriques ne confirment pas forcément cela. Par exemple, une étude de Bain et Coauteur a conduit à constater qu'il n'existe pas de résultats significatifs, de preuves significatives de l'existence d'une relation négative absolue entre l'émigration des travailleurs qualifiés et la baisse du capital humain dans les pays d'origine. La conséquence de ce résultat est que dans la littérature a émergé une autre notion, celle de beneficial brain drain ou encore de brain gain, pour essayer d'édulcorer celle de brain trait. Il convient de souligner que la notion de brain drain est intrinsèquement quelque part associée à une connotation péjorative de la fuite des cerveaux, qui a pour conséquence d'injecter un zeste de passion chez les partisans, entre guillemets, des pays en développement dans les débats sur la question. Et l'implication de cette situation, c'est que la décision d'émigrer, qui en fait est le résultat d'une interaction stratégique entre trois acteurs, à savoir le migrant, sa région d'origine et sa région d'accueil visée, conduit dans cette perspective à accabler deux acteurs, le migrant et la région d'accueil. Le migrant serait coupable d'une espèce d'ingratitude vis-à-vis de sa solution, de sa région d'origine, alors que le pays d'accueil, généralement un peu plus riche, la région d'accueil, serait coupable d'une espèce de concurrence déloyale vis-à-vis des pays d'origine. Et de manière tacite, on suppose que le pays ou la région d'origine a pour seul tort d'être pauvre malgré lui. Donc, ces notions de beneficial brain drain ou de beneficial brain drain ont été introduites pour édulcorer celles de brain drain, mais elles restent limitées parce que elle ne saisit pas toujours la dimension concurrentielle inhérente au contexte de globalisation qui marque nos économies entières. Et comme la notion de brain drain, elle s'accommode également de la place résiduelle qui est accordée au pays d'origine. De là, cette petite analyse que nous allons partager avec vous, qui est pour objectif d'essayer de compléter ces limites en introduisant la notion relativement provocatrice, nous l'avouons, de brain trait, associée ici à une analyse microéconomique de la décision d'émigrer chez un travailleur pleinement conscient de ses compétences. L'approche méthodologique est celle de l'économie classique. Elle est essentiellement hypothético-déductive. Il s'agit de construire un petit modèle microéconomique de choix intertemporel, de résoudre le modèle de choix interspatial, le choix entre deux espaces, la région de départ et la région d'accueil, de résoudre le modèle et d'en tirer les leçons. Ensemble, on va partager le processus de construction de ce modèle sans rentrer dans des détails analytiques, mathématiques. Nous considérons dans notre démarche que le travailleur peut être soit qualifié, soit non qualifié, skill or unskilled. Et notre travailleur réside dans une région de départ qu'on nomme LD, et il est candidat à l'émigration vers une région d'arrivée que nous indiquons par D. Et dans ces deux espaces, nous faisons l'hypothèse que son bien-être, sa satisfaction, dépend de la consommation d'un bien que nous avons nommé saveur ou goût de la vie, indiqué ici par une variable V. La variable V est une variable composite dans le sens où c'est une combinaison de plusieurs biens et services structurellement homogènes et avec des propriétés mathématiques ici pour l'analyse.
mais la satisfaction tirée de la consommation de ce goût de la vie, qui est notre bien, dans un espace quelconque, est affectée par le solde global des avantages nets des inconvénients que cet espace offre à ses résidents. C'est l'analyse, c'est le comportement microéconomique quand, en fait, l'émigré, quand il décide de partir. Et ce solde global, dans notre modèle, nous décidons de le faire capter par un indice de qualité de la vie, noté alpha dans le pays d'origine et bêta dans le pays d'accueil. Et naturellement, pour tout candidat à l'émigration, l'hypothèse selon laquelle la qualité de la vie dans le pays d'origine est inférieure à celle du pays d'accueil est admise, d'où la relation alpha inférieure à bêta. Économiquement, on dit dans ce cas que l'objectif du migrant est de maximiser sa fonction de bien-être, sa fonction d'utilité, qui prend cette forme-là. Au-delà des formules, s'il vous plaît, écoutons l'analyse qui est derrière, je vous en prie. L'objectif est de maximiser son bien-être. Et ce bien-être est lié à la consommation de ses biens dans les deux régions. Et pour acquérir ces biens, le migrant dispose des ressources. Et ces ressources-là sont liées à ses compétences. Il en utilise ses compétences pour acquérir des ressources, le goût de la vie, aussi bien dans son pays d'origine, dans sa région d'origine, que dans sa région d'accueil. Et on fait l'hypothèse que le prix du bien, goût de la vie, dans son pays, dans sa région d'origine, est en relation, est proportionnel au prix de ce bien dans la région d'accueil visée, tel que le prix est égal à θ, P. C'est quoi le θ? C'est un prix qui est, j'allais dire, qui est pénalisé par le coût d'opportunité lié à l'effort d'aller s'installer dans une région qui n'est pas celle, la sienne de départ. Et ce coût d'opportunité varie en fonction de plusieurs paramètres. Le niveau de compétence, la politique d'immigration des pays d'accueil, le différentiel de culture et éventuellement les comportements xénophobes. En économie, on dit qu'il va maximiser son programme, qui est celui-là, et en maximisant son programme, il obtient ce qu'on appelle des demandes de biens. Des demandes de biens, goût de la vie, aussi bien dans son pays d'origine que dans son pays de destination. Ici commencent en fait les leçons de notre exposé. Nous allons donc comparer ces demandes de manière intraspatiale, de manière croisée et de manière interspatiale. Les comparaisons intraspatiales consistent simplement, dans chacune des régions, à comparer la demande des biens pour les travailleurs qualifiés et pour les travailleurs non qualifiés. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate que, quelle que soit la région dans laquelle on se situe, le bien, goût de la vie, sera toujours relativement plus important pour les travailleurs dotés de qualifications supérieures. Donc, ils ont un avantage comparatif par rapport aux travailleurs non qualifiés. Et lorsqu'on effectue des comparaisons croisées, c'est-à-dire comparer les biens des travailleurs non qualifiés dans leur pays de départ et ceux des travailleurs qualifiés dans leur pays de destination, dans un premier temps, on constate que les travailleurs qualifiés tirent mieux parti de la vie dans leur région d'accueil visée que les travailleurs non qualifiés dans leur région de départ. Le deuxième résultat est important. Lorsqu'on compare dans l'autre sens, on constate qu'il existe un seuil du différentiel de compétences au-delà duquel le travailleur qualifié sera capable de tirer davantage parti de la vie dans sa région de départ que le travailleur non qualifié dans sa région d'accueil. Ce qui est une explication microéconomique du fait que certains types de compétences sont plus exigeants pour pouvoir s'exporter. Ils vont demander une situation de travail décente pour accepter de prendre le risque de la migration. Et la dernière comparaison est la comparaison interspatiale et celle qui est au cœur de notre travail ici. Lorsqu'on compare ce que les travailleurs qualifiés
les travailleurs des deux régions, on compare les valeurs dans les deux régions pour mettre en évidence les déterminants d'une éventuelle décision d'émigrer. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate que la décision finale d'émigrer est déterminée pour chacun des travailleurs par la comparaison de deux facteurs. D'une part, le différentiel de qualité de vie entre la région de départ et la région d'accueil visée, et d'autre part, le coût d'opportunité perçu par le travailleur comme inhérent au changement de sa région de résidence initiale. Et qu'est-ce que cela nous implique? Qu'est-ce que cela implique comme leçon? Premièrement, dans les régions de départ, la probabilité de l'émigration est une option viable toujours plus grande chez les travailleurs qualifiés que chez les travailleurs non qualifiés. Nous parlons d'options viables, c'est-à-dire émigrer en survivant. C'est toujours plus élevé, la probabilité est toujours plus forte pour les travailleurs qualifiés que pour les travailleurs non qualifiés. Et ensuite, deuxième leçon, à travers les paramètres décisionnels du modèle, c'est-à-dire l'indice de la qualité de vie et le coût d'opportunité, les régions de départ sont autant responsables que celles d'accueil de la décision d'émigration chez les différents travailleurs. Et troisième résultat, la décision d'émigrer, comme on le constate, c'est le résultat d'un calcul économique rationnel entre du travailleur et c'est le résultat d'un calcul économique rationnel du travailleur. Et heureusement, cette décision est réversible. Et la réversibilité va se jouer à travers la définition, la détermination du coût d'opportunité lié à la décision de partir ou de ne pas partir. En conclusion, cette modélisation montre que le travailleur est un homme économique. Il ne fuit pas, comme le sous-entend le brain drain. Ce qu'il fait simplement, c'est échanger ses compétences contre d'autres biens que la région choisie lui fournit, de la notion de brain trade. Et pour maximiser ses gains à l'échange, il va mettre les régions demandeuses en concurrence. L'intérêt de cette notion de brain drain, donc de brain trade, se situe minimalement à deux niveaux. Je suis en train de terminer, Monseigneur, s'il vous plaît. Elle réhabilite le travailleur qualifié qui émigre ainsi que son pays d'accueil en ôtant toute connotation péjorative à leurs actes et en dépassant les débats. Et enfin, elle astreint, et c'est le plus important, elle astreint les régions d'origine et leurs autorités à assumer pleinement leur part de responsabilité en les repositionnant explicitement dans le jeu de la concurrence mondiale pour retenir leurs compétences. Et ça se joue à travers la notion de coût d'opportunité. Et l'économie nous dit que ce n'est pas seulement pour de l'argent qu'on décide de partir. En jouant sur les valeurs, parce que le concept de coût d'opportunité intègre les valeurs, en jouant sur la perte des valeurs, en éduquant, on peut amener certaines personnes à revoir leur décision de partir ou de rester. Je vous remercie. Nous disons merci au professeur Bertrand. Et sans transition, nous passons la parole au professeur Guillaume Ekambi. Professeur, vous avez la parole. Merci, monsieur le modérateur. Vous comprenez que je suis assez mal à l'aise de parler après un économiste de haut vol. Merci, monsieur le directeur, pour tous ces enseignements. Je voudrais d'abord présenter ma profonde gratitude aux organisateurs de ce colloque qui ont bien voulu penser à ma modeste personne pour une présentation. Je voudrais remercier tout particulièrement Monseigneur Samuel Cléda, à qui j'adresse les chaleureuses
salutations de M. le recteur de l'Université de Douala, car vous savez bien que l'université entretient de très bonnes relations avec l'archidiocèse de Douala. Je suis monseigneur d'autant plus mal à l'aise devant dans cette enceinte, c'est trop beau pour nous, l'université, les universités d'État n'ont pas autant de moyens. On se croirait dans un pays d'accueil déjà. On dirait que j'ai migré d'un pays de départ à un pays d'accueil, parce que des choses comme ça, je les voyais à la Sorbonne. Bien, j'ai été sollicité pour parler de l'insertion socio-professionnelle des jeunes diplômés en Afrique centrale. Alors, pour aller vite, parce que j'ai vu que les surveillants du temps sont extrêmement rigoureux, en 15 minutes, c'est extrêmement court, mais on va y arriver. Je dirais tout simplement que je veux partager avec vous une double conviction. La première, qu'est-ce qui pousse nos jeunes diplômés à partir? La seconde, comment y remédier? Point. Alors, qu'est-ce qui pousse nos jeunes diplômés? Nous en formons tous les jours. L'Université de Douala, rien qu'à elle seule, c'est 60 000 étudiants. Mais qu'est-ce qui pousse ces jeunes hommes et ces jeunes femmes à partir? Il m'a semblé que 6 raisons, entre autres, hein, j'en ai pris 6 comme ça, les pousser à partir de leur pays d'origine. La première raison, je parle sous le contrôle d'un économiste, c'est des raisons tout bêtement économiques. La recherche d'opportunités, qui ne veut pas le bien-être? La recherche de la qualité de la vie. La deuxième raison, c'est des raisons politiques, comme vous le savez bien. L'instabilité politique dans les pays de départ, les conflits armés dans les pays de départ amènent des jeunes diplômés à partir. La troisième raison, c'est des raisons sociales. Vous savez qu'il y a des familles chez nous qui poussent leurs enfants à partir. Il y a même des réseaux qui sont constitués entre ceux qui sont partis et ceux qui sont restés au village, ceux qui sont restés au pays. Ça, c'est la troisième raison, elle est sociale. La quatrième raison, je dirais, elle est environnementale. Ce n'est pas à Monseigneur que je vais l'apprendre. Dans des régions où sévit des changements climatiques extrêmement aigus, la sécheresse, la désertification. Je sors du Tchad, j'étais en N'Djamena, j'ai vu comment le lac Tchad se desséchait de jour en jour. Ce sont autant de choses qui n'encouragent pas beaucoup à rester. Ça, c'était la quatrième raison. Mais il y a des raisons qu'on oublie aussi souvent. C'est des raisons purement psychologiques. Après les raisons économiques, politiques, sociales, environnementales, tout simplement psychologiques. Partir, c'est devenir un mode de vie. Celui qui ne part pas est même dévalué. Il est carrément dévalué. Il est regardé comme un sous-homme. Surtout chez les jeunes, partir, c'est vivre. Alors, on vous encourage à partir, ceux qui ne partent pas ne sont pas bien vus, et ma foi, il faut partir à tout prix. J'ai vu, je cite encore le Tchad, d'où je reviens, il existe au Tchad, vivent au Tchad 55 000 étudiants, dans tout le territoire tchadien. Mais au Cameroun, 70 000 étudiants tchadiens continuent leurs études au Cameroun. 55 000 au Tchad, 70 000 au Cameroun. Parce que pour eux, le Cameroun, c'était un Eldorado. Quand on parle là-bas de l'université de Douala, ne parlons pas de Saint-Jérôme. C'est vraiment l'Eldorado. Alors, il y a donc des raisons psychologiques. Enfin, il y a une dernière raison que j'ai découverte, voyez-vous, dans l'exercice de mes fonctions. Je suis chargé, modestement, des relations avec l'extérieur, la coopération. Il y a l'impulsion donnée par les pays du Nord. Les pays développés viennent chez nous, à présent, pour recruter des étudiants candidats au départ. Croyez-moi, c'est fascinant. Alors, il semble que cela serait parti d'une étude réalisé il y a une quinzaine d'années par le Quai d'Orsay. Et dans cette étude, la France s'est aperçue que le nombre d'étudiants diplômés demandant un visa pour les États-Unis
était supérieur à celui des demandeurs de visa pour la France. Voyez-vous, la plus vieille colonie, ex-colonie française en Afrique, le Sénégal, en Afrique noire tout au moins, s'orientait vers, plus vers l'Amérique que vers la France. Alors le Quai d'Orsay a tiré la sonnette d'alarme, c'est pas possible. Ça veut dire que dans une génération, la francophilie va reculer au Sénégal et c'est l'américanophilie qui va s'installer. Et la France a dit, mais non, on ne va pas se laisser battre sur ce terrain. La France a créé des organismes, je cite Campus France. J'ai sur mon bureau actuellement 4 dossiers de pays du Nord désireux de venir engager des campagnes de recrutement pour l'immigration vers les pays du Nord. C'est pas un secret. J'ai Campus France qui frappe à ma porte. Cet après-midi, ils m'ont demandé de leur faire visiter un local que je dois leur offrir au sein de l'université de Douala. Dans ce local, ils vantent la destination France. À qui? Aux étudiants de l'université de Douala. J'ai reçu le haut commissaire du Canada qui veut également son guichet au sein de l'université de Douala pour vanter la destination Canada. J'ai reçu le consul des États-Unis qui veut vanter la destination États-Unis. Et deux autres sont en train de frapper, l'Italie et l'Allemagne. Parce que c'est la course. Il faut recruter le maximum d'étudiants diplômés pour les orienter vers leur pays. Et croyez-moi, ça mord. Voilà une raison qu'on oublie souvent. Il y a une diplomatie académique qui est en marche pour susciter l'immigration de nos jeunes diplômés. Alors vous comprenez bien que c'est du pain béni pour eux. Quand on vient dans les campus pour susciter l'immigration, croyez-moi, c'est un facteur sur lequel il faudra bien réfléchir parce que monsieur le directeur de l'ESSEC, voilà, c'est quoi, vous avez appelé ça le brain drain ou brain drain, l'un des deux. Ce sont là des sources extrêmement importantes de l'évasion des cerveaux, de l'évasion des jeunes diplômés. Alors, il faut les retenir, il faut faire quelque chose. Après les 6 raisons que j'ai évoquées pour qui expliquent, sans justifier, expliquent les départs, il faut bien trouver des solutions. Que faut-il faire? Très modestement, j'ai pensé à 3 pistes. Vraiment très modestement. Mais ces 3 pistes se résument en termes de révolution. Il faut avoir le courage de faire des révolutions. Excusez-moi, pacifiques, hein, nous sommes tous contre la violence. Mais c'est des vraies révolutions pacifiques auxquelles il faut procéder. La première, je l'aurais appelée la révolution professionnalisante. Il faut décomplexer le terme professionnalisation. Nos universités, nos instituts, nos écoles forment trop de théoriciens. Il faut passer à la professionnalisation des enseignements. Je suis d'autant mieux placé que, comme vous le savez, l'université de Douala vient d'ouvrir ce que nous avons appelé le complexe de la professionnalisation. Monsieur le recteur a eu l'amabilité de m'y placer comme superviseur. Il faut enfin que nous ayons le courage de dire que l'avenir n'appartient pas aux juristes, aux littéraires, aux politologues. L'avenir appartient aux chaudronniers, bien qualifiés. L'avenir appartient aux contremaîtres, bien qualifiés. L'avenir appartient aux plombiers, bien qualifiés. Les formations professionnalisantes, il faut les remettre à l'ordre du jour. Il faut leur donner, les redorer leur blason. Il faut les placer au cœur de nos préoccupations. Elles ont été très longtemps négligées. Je vous prends quelques exemples. Le concours d'entrée à l'école nationale d'administration de Yaoundé. Mais c'est une illustration extrêmement frappante. 8000 étudiants frappent en moyenne chaque année à la porte de l'ENAM pour combien? Pour 140 places. 8000 étudiants diplômés en quête d'insertion professionnelle parce que chacun veut être
sous-préfet, chef de terre, préfet, gouverneur, magistrat. Mais c'est fini, il n'y aura jamais assez de place pour tout le monde parce que l'université forme beaucoup trop de monde. Tout le monde ne sera pas sous-préfet, il n'y aura pas assez de place pour... Mais chercher un chaudronnier, un mécano, merci. Il y a un exemple qui a été fourni il y a quelque temps, les chantiers, vous avez sans doute entendu parler des chantiers navals et industriels du Cameroun. Quand les chantiers navals et industriels ont ouvert, un concours a été lancé pour recruter 200 chaudronniers, parce qu'il s'agit de rattraper les coques de navires, tout ça. 200 chaudronniers, le Cameroun n'a pas pu en fournir. On a fourni 48 chaudronniers dans tout le territoire national. D'où sont venus les 152 autres restants? Vous savez d'où? De la Corée du Sud. Et oui, l'État camerounais a été obligé d'importer la main-d'œuvre de la Corée du Sud pour répondre à la demande de chaudronniers au chantier naval et industriel du Cameroun. C'est une honte. C'est une interpellation pour nous tous parce que personne ne veut orienter ses enfants vers les formations professionnelles. Or, elles sont au cœur de l'avenir de l'insertion des jeunes diplômés. Il faut une révolution à ce sujet. Il faut mettre les formations professionnelles au cœur de notre réflexion et de notre organisation. La deuxième révolution concerne un secteur qui va sans doute interpeller beaucoup d'entre nous, notamment le docteur Goniem, qui s'y tourne très souvent, le secteur informel. Il faut révolutionner le secteur informel. Je forme des étudiants. Moi, je suis politologue. Je forme des étudiants à la faculté de sciences juridiques et politiques. Je les retrouve. Certains, vendeurs de fruits, pain-sikineurs, call-boxeurs, et oui, des licenciés, mais c'est une masse énorme de diplômés dans la nature, dans un secteur non organisé, opaque. Il est temps qu'une révolution soit implémentée dans ce secteur. Et le terme, je n'aime même pas beaucoup le terme de secteur informel. On nous l'a imposé. C'est le secteur qui est en train de devenir majoritaire. Alors quand vous êtes majoritaire, qui est formel, qui n'est pas formel? Finalement, c'est le secteur formel qui va être informel. Alors on nous dit secteur informel. Pourtant, il est majoritaire. Une révolution s'impose dans ce secteur si on veut trouver des solutions à l'insertion des jeunes diplômés. Et la troisième révolution, nous le savons tous, nous sommes tous partis d'un monde que j'appelle le monde rural. Nous avons tous un village. Il faut une révolution dans le monde rural. Le monde rural vit une détresse dramatique. Dans nos villages, très souvent, hélas, ne restent que les vieux. Hélas, où vont les jeunes? Une détresse dramatique se joue sous nos yeux. Dans le monde rural, il est temps. Et quand je dis révolution dans le monde rural, ce n'est pas simplement la révolution agricole, parce que le monde rural, ce n'est pas que l'agriculture. C'est un ensemble de métiers qu'on peut créer pour rester au village, développer le village, afin que tout le monde ait du travail. Je vous remercie. Voilà, les applaudissements expriment parfaitement la joie ressentie par l'intervention du professeur donc Guillaume.
Nous avons donc bien reçu les interventions des panélistes et nous vous invitons maintenant à la phase questions. Donc, présentez-vous et dites si possible à qui est adressée la question. Donc, nous allons prendre certainement trois questions. Oui. Bon. Au fond, plus haut. Après, ce serait vous. Oui, Clément est paroisse Saint-Justin de Yassa. Alors, ma question va s'adresser là au professeur Ngeletou, parce que je voulais dire combien je suis ahuri par ce qui nous a fait savoir que jusqu'à présent, il n'y a pas encore de droit fondamental sur le supplice migratoire. On grappille encore par-ci, par-là. Alors, ma véritable question, c'est que, au niveau des sanctions, est-ce qu'on peut quand même retrouver quelque chose dans le droit, dans le sens du crimes contre l'humanité, aussi bien des États que des individus, n'est-ce pas, qui prospèrent dans cette macabre... Non. Alors, et la même dernière question pour ne pas m'accaparer la parole, c'est adressé au professeur Kambi, oui. Oui, nous avons cette réalité aussi au Cameroun, c'est que nous savons dire les choses, mais l'application... Mais oui, vous nous avez dit que c'est vraiment des révolutions formidables. Là. Formation professionnelle, révolution du secteur informel, formelle révolution du monde rural. Rien à redire. Mais alors, l'application, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on arrive à l'application de ces choses? Je vous remercie. Deuxième intervenant. Ici. Merci. Ma question, c'est pour monsieur le vice-recteur. Je suis, comme Chancel Likuka, enseignant-chercheur à l'université Marien Ngouabi de Brazzaville. Et je le précise parce que ce que vous avez dit, ce sont les mêmes réalités que chez nous. Alors, ma question, elle est simple. Face à cette formation, on forme beaucoup de diplômés, mais on ne sait pas comment les utiliser. Est-ce que l'université de Douala a eu à mettre en place des formations ciblées par rapport aux besoins de la société? Merci. Troisième intervenant. Il y a plusieurs tours. Patience. Nous commençons par ma gauche et nous irons. Oui. Bonjour, monseigneur. Ma question est particulièrement adressée au professeur Ekambi de l'Université de Douala, vice-recteur. Je m'appelle Mélancho Jordan, jeune délégué de la paroisse Saint-Charles Luanga de Bepanda Yonyon. En fait, vous avez dit qu'il faut révolutionner le monde rural. Lorsque les jeunes que nous sommes, nous naissons, on nous envoie à l'école. Mais dans les zones rurales, on manque vraiment des écoles qualifiées pour la formation. Nos parents sont obligés de nous envoyer dans le monde urbain, à l'exemple des villes, des grandes villes. Lorsque nous formons dans là-bas, nous sommes obligés d'y travailler. Maintenant, que faire
puisque l'État, à l'exemple des villes, à l'exemple des zones rurales où nous sortons, ne possède pas de grandes écoles pour pouvoir nous former, que faire donc pour rester et y développer de bonnes œuvres? Je vous remercie. Professeur, vous avez la parole. Je suis le seul interpellé, apparemment. Voilà. Vous avez plus captivé vos auditeurs. Bah, écoutez, j'en suis ravi, mais croyez-moi, je suis venu dans l'esprit de partage. Je n'ai aucune solution. Croyez-moi, je vous le dis, la main sur le cœur, je n'ai pas de solution parce que je ne suis pas un homme politique, voyez-vous. Je ne suis comme vous. Nous sommes des penseurs. Nous essayons ici de partager des lignes de pensée, des pistes de réflexion, afin qu'ensemble nous trouvions des solutions pour nous-mêmes d'abord. Je vais t'expliquer pourquoi pour nous-mêmes, et des solutions à proposer aux hommes politiques que nous ne sommes pas ici. Alors, la première question, comment passer des paroles aux actes? Je crois que c'est bien cela. Mais ça dépend de nous. Eh oui, l'on a l'habitude de regarder vers le haut. Mais que faisons-nous à la base? Je voudrais, permettez-moi une fois de plus, de citer une brave dame, une dame extrêmement dynamique qui est dans la salle, Dr. Wiseman, qui organise, vous savez ce qu'elle fait? Je voudrais vous prier, madame, s'il vous plaît, de vous lever. Je suis désolé, vraiment, de vous... Excusez-moi, levez-vous. Pourquoi je parle de vous? Je voudrais qu'on applaudisse pour elle. Et je vais vous dire pourquoi cette dame, diplômée après de brillantes études en Europe, enseignant à l'université, asseyez-vous, je vous prie, enseignante à l'université de Douala, elle ne s'est pas simplement appesantie dans les amphithéâtres où elle dispense brillamment ses cours. Elle est entrée, elle est allée à la base. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle organise les Bayam Selam. Et oui, elle a créé une association pour déformaliser, en notre terme, formaliser, faire sortir les Bayam Selam du secteur informel au secteur formel. Faire de cette activité une activité rentable, une activité productrice, une activité qui nourrit, je ne dirais pas cette fois-ci son nom, mais sa femme. Et oui, parce que pourquoi toujours regarder vers le sommet? Qu'est-ce que nous-mêmes nous commençons à faire à la base, à partir des moyens qui sont les nôtres? Alors moi je dirais, c'est la première, très modestement, c'est mon sentiment, la première approche que nous devrions pouvoir adopter consisterait à savoir comment nous organiser à la base pour que nous passions des paroles aux actes. C'est un défi. C'est un défi. Nous ne devons pas rester dans des amphithéâtres climatisés, aseptisés, comme nous sommes ici. Mais le travail, c'est dehors. Le Bayam Selam, le monde informel, c'est dehors. Le secteur professionnel, c'est dehors. Le monde rural, c'est dehors. Sortons de nos milieux aseptisés, nos milieux extrêmement commodes pour aller sur le terrain. Dr. Wiseman en a donné un exemple. Allons tous sur le terrain. D'abord, par nos propres moyens. La deuxième chose, nous devons pouvoir adresser nos demandes au sommet, parce que le sommet n'existe que parce que la base existe. Nous devons pouvoir nous agréger, nous regrouper des modes, pas des modes de regroupement, soit si les modes de regroupement partisans que sont les partis politiques ne donnent plus les résultats que nous avons escomptés, auxquels nous avons cru tous à l'éveil démocratique. Si les modes classiques de regroupement ne donnent plus les résultats
il en va de notre créativité, de notre inventivité pour créer d'autres des modes alternatifs pour adresser nos demandes au sommet, pour que nous passions des paroles aux actes. Ce ne sont pas les modestes panélistes ici qui auront la solution, non. C'est tous ensemble. Comment nous organiser pour dire à ceux qui nous gouvernent, voilà ce que nous pensons et nous souhaitons que nous n'en restions pas simplement aux paroles. C'est ce que je voudrais dire, à apporter comme contribution à la première question qui a été posée. La deuxième, ce sont les formations professionnelles, notre ami de Brazzaville, c'est bien ça. Oui, l'université de Douala n'en est pas restée aux paroles. La professionnalisation est au cœur de l'université de Douala. Nous avons à l'université de Douala divers niveaux de formation professionnelle. Nous commençons par le bac plus 2 à l'Institut de l'Université de Technologie, où nous formons le niveau contremaître de la chaudronnerie à l'industrie pétrolière. En passant, hier, j'ai signé un document pour les métiers du ferroviaire. Personne n'y pense. Quand les rails sont en panne, qui va réparer les rails? Il y avait justement chez vous au Congo Brazzaville, m'a-t-on appris, une école de formation d'ouvriers du rail. Elle a disparu. Vous confirmez? Elle a disparu. Il y avait ici à Bassa ce qu'on appelait l'école professionnelle de la régie Fercam pour les plus anciens. Elle a disparu. Et oui, pour ceux qui le savent, les plus anciens d'entre nous, l'école a disparu. L'université de Douala a redonné corps à cette école à travers la formation de ce que nous avons appelé le génie ferroviaire. C'est quoi le génie ferroviaire? C'est tout simplement la formation des ouvriers pour réparer les rails. Le directeur de Cambrai est venu me voir et me dit, monsieur, nous n'avons même pas d'ouvriers pour réparer les rails. Nous avons ouvert cette formation. Nous venons d'ouvrir une formation, alors ça c'est au niveau des bac plus 2. Une multitude de formes, des menuisiers nous en formons à l'Institut universitaire de technologie. Nous évoluons un peu plus, bac plus 3, bac plus 4, nous tombons à l'école polytechnique. Alors là vous avez une panoplie allant du génie civil au génie maritime. Pour ceux qui ont suivi l'actualité tout récemment, l'École nationale supérieure polytechnique de Douala a frappé fort la semaine dernière en inaugurant le bateau-école. Nous construisons déjà un bateau à l'université de Douala. Mais nous sommes allés plus loin. Nous avons inauguré la semaine dernière le premier véhicule automobile créé au Cameroun. Et tout ça, c'est fait par des contremaîtres, des ouvriers, des ingénieurs camerounais, africains, qui ont pour mot d'ordre la professionnalisation. Et nous ne nous sommes pas arrêtés en si bon chemin. Nous avons maintenant inauguré le 14 avril dernier, en présence de 5 ministres de la République, un complexe appelé le complexe de la professionnalisation, dédié uniquement au métier donnant directement au marché du travail. Ce ne sont plus les juristes, ce ne sont plus les économistes, ce ne sont plus les littéraires, ce sont des hommes et des femmes que nous réclame le marché de l'emploi. Complexe de la professionnalisation. Il est ouvert, nous vous accueillons, nous vous attendons. Il y a de la place, il y a des enseignements, il y a tout ce qu'il faut. C'est peut-être pas aussi climatisé et aussi beau qu'ici, mais croyez-moi, les enseignements sont de très haute qualité. C'est bon, c'était la deuxième question de notre ami de Brazzaville. Alors, la troisième question.
comment faire pour rester au village? Je crois que c'est en gros ce que voulait dire notre famille. Moi, j'adore le village. C'est peut-être parce que je n'ai pas de village. Moi, je suis né à Akwa. Mon ami Pouvez connaître mon village. C'est peut-être parce que je n'ai pas de village. Je suis né au collège de La Salle. Mes enfants me demandent, mais papa, où est notre village? On ne voit pas de singes ici. Mais je leur dis, on ne va pas inventer le village, c'est mon village. À quoi? C'était un village hein, avant que ça ne devienne la ville. Et je me suis déporté, je suis allé au village. Et croyez-moi, je suis tombé amoureux du village. Je suis allé dans les villages environnants. Dibombari, Miselele, Moudeka. Moi, je ne demande qu'une chose, c'est de finir ma vie au village. Nous avons de très beaux villages, d'une beauté inextinguible. Comment rester au village? On restera au village si nous opérons la révolution rurale. Et je dis bien rurale, pas agricole simplement. Parce que la révolution rurale intègre tout. Il faut qu'au village, nous trouvions une agriculture de qualité. Les jeunes, les rares jeunes qui sont restés au village maintenant, vous savez ce qu'ils font? Ils font deux choses. Comment? Ils sont bain-cyclineurs. C'est le nouveau métier parce qu'ils se sentent très libres. Ils sont libres comme Max, comme dirait l'autre. Et avec les bain-cyclines, ils ont un succès fou auprès des jeunes filles. Ils sont bain-cyclineurs. Eh oui, eh oui. Il semble que les jeunes filles adorent les gens sur les bain-cyclines. Hein, madame, je confirme. Alors, les jeunes sont bain-cyclineurs. Et deuxième activité, hélas, parce que je parle avec beaucoup de chefs de village, hélas, consommation de produits illicites. Voilà la deuxième profession des rares jeunes qui sont restés au village. Et pourquoi? Parce qu'ils ne trouvent pas sur place l'ensemble des commodités nécessaires à une vie décente. Cela ne s'arrête pas à une agriculture de qualité. Nous avons des terres d'excellente qualité. Cela passe par des écoles de qualité au village. Cela passe par des centres de formation au village. Cela passe par des nouvelles pistes que l'on ne soupçonne pas très souvent, l'aquaculture et la pisciculture. Et oui, cela passe par toute une animation rurale parce que les jeunes, chaque jeune aime bien son village. Mais il en part parce qu'il est obligé d'en partir. C'est la raison pour laquelle chaque fois que l'occasion lui est fournie, il rentre au village parce qu'il aime bien son village. Créons donc au village tous les instruments nécessaires pour une vie de qualité. Pour que le village devienne la ville. Parce que village, Douala était un village. Hein? Douala était un gros village. Douala, ici, c'était des marécages, là où nous sommes ici. Là. C'était des marécages. Est-ce qu'on peut encore parler de village ici aujourd'hui? Non. Le village a pour vocation à devenir une ville. Faisons donc des villages, des villes de qualité où il fait bon vivre. Je vous remercie. Nous passons également la parole. Avant de prendre la deuxième question, nous passons la parole au professeur. Pour un complément. Merci, merci, Monseigneur. J'ai été interpellé au sujet de l'existence d'une loi, d'une convention au niveau international. Est-ce qu'il en existe? Oui. Mais en fait, ce sont des conventions et des instruments juridiques qui ont pour vocation de réguler le mouvement migratoire dans le monde. Mais en fait, ce sont des instruments qui mettent en exergue trois exigences majeures. La première exigence, c'est d'abord le devoir de solidarité internationale. La deuxième exigence, elle est liée à la diplomatie migratoire. Et la troisième, bien entendu, c'est comment est-ce que les États, y compris États d'accueil et États d'origine, se déploient dans la perspective de réguler à leur niveau la migration. D'ailleurs, je reviens d'un colloque sur la migration, la mise en migration, mobilité, globalité à l'ère de la mondialisation, à Libreville. Je n'ai eu de cesse d'être interpellé par M. le doyen
l'abbé Aboudi, dont je confesse une reconnaissance de dette, s'il me posait la question de savoir si je serais là ou pas, je lui ai confirmé ma présence ici aujourd'hui, ce d'autant plus que je suis rentré hier soir. Et c'est dire que cette migration, ce colloque, cet échange qu'ils ont organisé, c'était dans la perspective de mettre en œuvre le chantier de construction de l'Observatoire national de la migration. C'est dit que la prise en main de la migration est faite à trois niveaux, au niveau international, au niveau régional et au niveau de chaque pays, étant entendu que le Gabon, c'est davantage un pays d'accueil qu'un pays, qu'un pays exportateur de migrants. Donc, comprenez bien, il faut qu'on se comprenne bien. Il existe bel et bien un certain nombre d'instruments de régulation de la migration au niveau international. Mais la mise en œuvre de ces différents instruments est liée à un certain nombre d'exigences qui doivent respecter les spécificités de chaque pays, étant entendu ici que chaque pays a d'abord, n'est-ce pas, ses préoccupations qui lui sont propres, avant de voir dans quelle mesure accueillir l'étranger. Et sur ce plan-là, nous ne pouvons pas dire que la migration n'est pas régulée au niveau international. Elle entre dans cette interaction entre, je l'ai dit dans le cadre de mon exposé, trois acteurs majeurs, le pays d'accueil, le pays d'origine et le migrant lui-même. Tout cela forme un trio vraiment indicible qu'on ne saurait séparer, n'est-ce pas, sans mettre en péril et en danger la notion de migration, tout cela lié à la grande problématique de la mobilité internationale qui caractérise la mondialisation. Merci bien. Merci, professeur, pour toutes ces précisions. Nous passons à la deuxième vague donc, de questions. On s'intéresse au centre. Loué soit Jésus-Christ. Je suis Madame Joséphine Chonan de la paroisse Sainte-Trinité de Bilongue, à la zone pastorale Vori 6. Je rends grâce au Seigneur qui a permis qu'on se retrouve ici pour réfléchir pour ces travaux. Je reviens au vice-recteur de l'université. C'est très bien les formations professionnelles. Mais est-ce que l'université de Douala étant une institution d'État? Parce que quand je grandissais, je savais que le lycée, on ne payait pas. Au fur et à mesure que le temps est passé, c'est devenu plus cher que les collèges privés. Alors, dans le cas de l'université, est-ce que les formations professionnelles sont à la hauteur du Camerounais moyen? Puisque je pense que quelqu'un avait dit que le Cameroun est un pays très pauvre et très endetté. Est-ce qu'une maman de Bilongue peut payer la pension de son enfant en chaudronnerie à l'université de Douala? Je ne pense pas. Oh. Posez la question, ne répondez pas. Loué soit Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que les têtes pensantes de l'université de Douala font auprès des grands instances du pays pour qu'on revienne dans des bons sentiments de regarder le plus pauvre et permettre que l'enfant qui ne peut pas, qui sort d'une famille, je dirais, pauvre, accède à cette formation? Merci. J'ai une deuxième question, je vous en prie. Pour le secteur informel, si je prends le cas des marchés, des petits marchés, des points de vente, je ne dirais pas des marchés, des points de vente, par exemple, comme Madagascar, comme Bokom-Bilongue, la maman qui achète son cajou de tomates à 10 000, elle doit payer le taxi, elle doit. Après, pour essayer de classer, il faut donner la taxe de ceci, il faut donner la taxe de cela. Finalement, même son capital reste au marché. Vraiment, est-ce qu'on encourage le secteur informel? Loué soit Jésus-Christ. Deuxième intervenant. Oui, madame. On écoute, s'il vous plaît. Je suis Marie-Elisabeth Gouet
de la zone pastorale Voury 2. Ma question va s'adresser au professeur Auguste Ngueliétou. Il est question de l'Afrique. Nous parlons de la migration. Vous avez souligné, je pense, que vous avez dit que la migration entre dans le concept de la mondialisation. Et vous avez parlé du partenariat avec la gouvernance mondiale. J'ai l'impression que c'est une illusion. Parce que lorsque nous regardons la gouvernance mondiale, on pense que la migration est voulue comme un système qui doit rester pérenne. Comment ce partenariat avec la gouvernance mondiale se fera-t-il? Deuxième chose, il était question, quelqu'un a parlé de la Tunisie, j'ai pas retenu l'intervenant, que la gouvernance mondiale voudrait qu'en Tunisie soient créées des industries qui puissent permettre les jeunes Africains de rester chez eux. Je suis indigné contre le silence de l'Union africaine. Que fait l'Union africaine? Que dit l'Union africaine par rapport à ce concept de la mondialisation, de la migration qui entre dans la mondialisation? C'est ma question. Je vous remercie. Troisième. Oui. Oui, Monseigneur. Allez. Oui, merci pour la parole. Je suis l'abbé Jean-Armel Bissi, vicaire ici à Douala, à la cité des Palmiers. Puisque nous parlons des mouvements migratoires en Afrique centrale, j'aimerais convoquer une actualité très préoccupante. En Afrique centrale, l'intégration sous-régionale n'aboutit pas, ne prospère pas. Et je pense que si on est obligé de faire venir les chaudronniers de Corée du Sud, c'est parce qu'on n'a pas pu les prendre au Gabon. On n'a pas pu les prendre en Guinée équatoriale. Il y en a là-bas. Alors, j'aimerais demander à nos pères évêques ici présents, est-ce que vous portez haut auprès de vos gouvernements cette préoccupation-là? Ça ne circule pas en Afrique centrale. Et puisque ça ne circule pas ici, on est obligé de chercher à aller un peu plus loin. Si ça va bien entre nous, la chance qu'on ne trouve pas au Cameroun, peut-être qu'on peut la trouver au Gabon. On peut la trouver en Guinée, on peut la trouver au Tchad. Merci beaucoup. Merci. Réponse, professeur. Question. C'est bon, nous en avons déjà enregistré trois. On attend les réponses. Merci, madame. J'ai été interpellé relativement à ce lien que je fais entre gouvernance mondiale et migration. Dès l'entame de mon propos, j'ai dit que l'homme est essentiellement en mouvement, qu'on le veuille ou non, intra ou extra. Et ça participe même de la construction du village planétaire. Le thème globalisation, mondialisation n'est pas actuel. C'est un thème aussi vieux que le monde, mais tout simplement, la perception nouvelle qu'on a de cette mondialisation fait que l'on pense que c'est un concept nouveau. Il n'est pas nouveau du tout. Et d'ailleurs, quand on parle de gouvernance mondiale, il ne faut pas y voir un certain nombre de principes vertueux. Il faut voir un ensemble d'éléments tant juridiques que politiques et même diplomatiques qui sont mises en place dans la perspective de trouver une réponse ou tout simplement d'encadrer ce phénomène qu'on appelle la migration. Oui, il y a au niveau mondial, dans les différents forats, des préoccupations qui sont tournées vers la régulation de la gouvernance, tant au niveau des Nations Unies, au niveau des différentes organisations régionales telles que l'Union européenne, dont l'OCDE. Et par là même de l'Union européenne,
Vous avez évoqué le cas de la Tunisie qui serait une sorte de réceptacle des migrants. Oui, il n'y a pas que la Tunisie, toute cette zone de l'Afrique maghrébine qui est considérée comme zone de transit, notamment la Libye, le Maroc, la Tunisie. Et d'ailleurs, ces zones reçoivent régulièrement et généralement ce que je peux dire, les damnés de la mer, qui sont soit dans une perspective de transit pour atteindre l'autre côté, soit dans une perspective de se refaire la force afin de trouver les subsides nécessaires pour continuer ou tout simplement pour retourner dans leur pays d'origine. Et d'ailleurs, lors de la pandémie à COVID en 2020, ils étaient nombreux. On a dû créer carrément une zone de rétention pour ces damnés, entre guillemets, qui étaient obligés, à la fin, quand il y a eu soulagement, vous vous rappelez bien, des cris de détresse qui venaient du Maroc, de la part de certains Camerounais, demandant au gouvernement de venir les rapatrier. D'ailleurs, je dois vous dire que à la fin, du moins quand il y a eu relâchement de COVID, la plupart ont préféré rebrousser chemin. Les statistiques montrent que près de 80% ont préféré rentrer dans leur pays d'origine, c'est-à-dire le Mali, le Sénégal, le Cameroun et plus ou moins le Gabon. C'est donc dire effectivement qu'il y a nécessité de faire quelque chose dans la perspective de freiner ce mouvement irrégulier. Et d'ailleurs, concernant la politique française, il a été mis sur pied depuis 2005 une notion appelée le co-développement. Comment stabiliser ces candidats à la migration dans leur pays de départ en mettant en place un certain nombre de politiques publiques intéressantes et attractives. Mais malheureusement, cela devait se faire avec les différents partenariats mettant aux prises les deux gouvernants en question. Vous savez pourquoi ça a foiré, faute de ressources financières. L'Union africaine, est-ce qu'elle est muette? Je ne pense pas. Le véritable problème ici, c'est une fois de plus la question financière. Dans sa charte et l'architecture juridique, il est prévu effectivement des mécanismes de régulation de ce type de ces flux migratoires-là. Alors, l'intégration, parlant de l'Afrique centrale, elle est presque inexistante. Non, pas qu'elle est inexistante. D'ailleurs, le principe de libre circulation des personnes et des biens est révélateur de ce que l'intégration est encouragée. Mais seulement, elle doit respecter un certain nombre de principes propres à chaque pays. Et vous savez que l'Afrique centrale, plus que jamais, est une zone où les poussées souverainistes sont plus que jamais prégnantes. D'aucuns expliquent cela à travers des considérations d'ordre anthropologique. Nous serons dans la forêt où on circule peu, alors que de l'autre côté, c'est le désert où le nomadisme est possible. Mais toujours est-il, il y a des pas qui sont faits. Aujourd'hui, j'ai pu me rendre au Gabon sans le visa. Il y a moins de 5 ans, ce n'était pas possible. C'est dit que progressivement, les États adhèrent au principe de libre circulation des personnes et des biens. Merci. Bien. Monsieur le modérateur me regarde, suivant, parce que je crois qu'une question a été adressée relativement aux coûts de formation. C'est bien cela, madame. Bon, je ne voudrais pas y échapper, mais quand j'étais jeune, il m'a été donné une éducation dans laquelle on disait qu'il y a deux questions, deux sujets dont il ne faut pas parler quand on est en public, l'argent et la politique. Parce que l'argent et la politique divisent toujours des gens bien. Quand on est bien, quand intervient le problème financier, c'est là où ça sépare les gens. Mais notre sœur a eu le courage, et je l'en remercie sincèrement, d'avoir évoqué elle a évoqué un problème important, le coût financier. C'est bien ça, madame. Alors, je voudrais dire deux choses. L'université forme un étudiant, c'est l'État qui paye, pour que cela soit clair. Pour former un licencié, il a été calculé que l'université dépense 2 750 000 francs.
pour former un Camerounais licencié. Et on demande à ce Camerounais 50 000 francs par an. Si on veut parler argent, parlons argent. L'étudiant formé en licence coûte à l'État 2 752 000 francs. Et on lui demande en tout et pour tout pour les 3 années 152 000 francs. Je crois que l'État arrivé, j'en parle d'autant plus aisément que moi j'appartiens à une génération du siècle dernier, vous voyez bien mes cheveux blancs, où c'était l'inverse. Nous allions à l'école, on nous payait, on était boursiers, avec des bourses. Aujourd'hui, c'est un temps révolu, on demande aux étudiants de payer. Parce que, évidemment, la poussée démographique, le nombre d'étudiants a explosé et n'a pas forcément suivi l'évolution des moyens de l'État. Et l'État a consenti, je ne suis pas là pour défendre forcément l'État, mais je vais vous dire les choses telles qu'elles se présentent. La formation d'un licencié au Cameroun coûte à l'État 2 750 000 francs. Et l'État demande à l'étudiant 150 000 francs. Soyons raisonnables, cela, c'est le jour et la nuit. Quand on veut apprécier les choses, il faut avoir l'ordre des grandeurs. Deuxième chose que je voudrais dire, donc vous avez bien compris que la formation à l'université, j'ai failli dire, ne coûte que 50 000 francs par an. La deuxième chose que je voulais dire, vous avez vu une explosion, Saint-Jérôme en est une l'illustration, des instituts privés d'enseignement supérieur. Actuellement, il existe environ 492 instituts privés d'enseignement supérieur au Cameroun. Je dis bien 492. Je ne veux pas parler ici des coûts. Monsieur le directeur de l'ESSEC le sait bien, un bon économiste, le nombre d'instituts privés d'enseignement supérieur qui viennent frapper à la porte de l'université de Douala pour entrer sous la tutelle de l'université de Douala, la tutelle académique. Quand nous jetons un coup d'œil, d'ailleurs ils ne sont même pas très friands qu'on jette un coup d'œil sur les coûts financiers de leur formation. Quand nous jetons un coup d'œil sur les coûts financiers des formations qu'ils dispensent ces instituts privés d'enseignement supérieur, et ce que nous proposons, là encore, c'est le jour et la nuit. Je ne veux citer personne. Je ne veux citer personne. Tandis que certains coûts s'expriment en millions, nous en avons encore à quelques petits milliers. Vous-même jugez. Je vous remercie. Nous passons donc troisième tour, trois dernières questions. Pardon. Oui. Je vous remercie de m'avoir passé la parole. Oui. Alors, ma question, je m'appelle Marie-Joseph Christelle Nga. Je suis de la paroisse Saint-Dominique Savio. Ma question s'adresse au professeur Bertrand Tamegoué. Alors, il a usé de stylistique sabirale dans sa modélisation et abouti à un coût d'opportunité. Est-ce possible de faire cette même modélisation, cette analyse, mais en termes de coût de renoncement, c'est-à-dire en déterminant peut-être le coût des occasions perdues? Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais intervenir ici dans le cadre d'une contribution de tout ce qui vient d'être dit. Je suis expert industriel près des cours d'appel. Je suis l'administrateur général de Saint-Jérôme.
Je voudrais intervenir dans le cadre de la professionnalisation comme appoint de réponse par rapport à ce que les différents panélistes ont dit tout à l'heure. En réalité, quand on essaye d'étudier tout ça, il s'agit de mettre en exergue les cinq savoirs. Les cinq savoirs, le savoir académique que nous connaissons, savant, celui que l'on procure souvent dans toutes les théories universitaires. Ce savoir-là, lui, il n'est pas opérant sur le plan de la professionnalisation. Il faut le distiller dans le monde, dans l'environnement, afin qu'il puisse transformer cet environnement. Il est donc un peu défaillant. Il le faut comme prérequis, mais il est un peu défaillant. Le deuxième savoir, qui est celui de savoir-faire, qui est celui-là qui est le début vraiment de la professionnalisation, celui-là parfois est exigeant. Il est spécifique parce que, vous savez, nous sommes ici en train d'évoquer deux problématiques. La problématique du monde rural et la problématique du monde urbain d'aujourd'hui. Dans le monde rural, nous savons que dans nos villages, il n'y avait pas de chômeurs. L'enfant naissait, grandissait dans un environnement et transformait son environnement. Aujourd'hui, avec les spécificités de l'école, nous avons fabriqué parfois des robots qui ne savent faire qu'une seule chose à la fois et une seule. Et ils ne savent plus transformer leur environnement. Ça, c'est une situation assez complexe qu'il va falloir, à la limite, résoudre. Donc, le savoir-être, qui est le troisième savoir, qui est celui de ce que nous représentons dans la transmission de ce savoir académique, de ce savoir savant ou de ce savoir-faire, celui-là, il est fortement impacté par un environnement que nous connaissons tous, qui est parfois déguisé sous le nom des lourdeurs administratives, mais qui n'est autre que la corruption. La corruption que nous connaissons tous parce que, eh bien, il est désolant de le dire, beaucoup de pays africains se sont irrigués comme des champions de la corruption. Et ça, c'est nous-mêmes, c'est nous dans notre savoir, être là, qui pose problème. C'est pour ça que, tout à l'heure, le recteur a dit, qu'est-ce que nous faisons dans la dimension du développement auto-centré. Parce que le développement part de nous-mêmes. L'éducation consisterait à mettre en exergue ce que nous avons en nous-mêmes. Si ce soubassement est déjà corrompu par la dimension du moi égoïste, alors nous allons travestir notre environnement et ce que nous sommes, nous allons le transmettre. C'est pour ça que dehors, pour tout ce que vous voulez, il y a de la corruption. Pour tout ce que vous voulez faire, il y a de la corruption. Et dans cet environnement, ça devient compliqué et parfois complexe d'apparence simple. Le quatrième élément, le savoir-faire-faire, qui est celui de la transmission, de la communication. Il a dit tout à l'heure, il faut savoir transmettre nos doléances, il faut savoir transmettre tout ce que nous avons mis en concept, il faut savoir le transmettre aux politiques. C'est vrai, les politiques adressent. Vous voyez l'exemple de la décentralisation, où on parle de transfert de ressources et de compétences. On transfère les ressources ou on transfère les compétences, mais on tient en laisse les ressources. Et à partir de ce moment, l'applicabilité de ce qu'on transfère devient difficile. Et c'est comme ça que vous allez avoir des routes ou des projets qui vont s'éterniser dans la faisabilité pendant 5 ans, 6 ans, parce qu'il y a une forme de mascarade corrompue derrière pour pouvoir faire ne pas avancer les choses. Et le dernier élément, qui est celui de savoir faire exister, qui est celui-là donc du monde rural dont il a parlé, qui est celui de l'existence, de l'écologie même. Nous, on l'a traversé. Tous les éléments d'apprentissage organisationnel, sociétal, nous les avons travestis. Et aujourd'hui, nous ne savons donc pas transformer notre environnement. On a mis en nous des besoins inextricables qui font que
eh bien, par tous ces réseaux de connectivité, l'enfant qui naît, il grandit dans les défis du millénaire, qui sont le défi culturel et le défi numérique. Dans le défi numérique, nous n'avons pas su contrôler la situation. On nous a donné des outils qui ne sont ni indispensables, peut-être un peu utiles. Et nous n'avons pas donc su les contrôler. Et ça fait que l'enfant, quand il grandit, il a en lui déjà des besoins incompressibles qui font qu'il ne reconnaît, même plus les éléments fondamentaux de la solidarité africaine que nos ancêtres nous ont légués. Et donc, il n'y a plus de transmission. À partir de ce moment, nous ne savons plus faire exister. Or, l'étudiant que nous fabriquons doit correspondre à un emploi ou une entreprise. Nous n'adressons pas aussi ces éléments. Pourquoi? Parce que dans notre environnement, pour prendre l'exemple du Cameroun, on dit, pour être développé, il faut transformer 50% de son produit intérieur brut. Pour être émergent, il faut transformer 35% de son produit intérieur brut. Au Cameroun aujourd'hui, nous sommes, je vais oser de le dire, à 15%. Nous devons atteindre 35%. Depuis l'indépendance, nous sommes à 15%. Comment allons-nous atteindre donc 35% de l'émergence? Et quand vous faites une adéquation indirecte là-dedans, vous retrouvez que 90% de la création de richesses au Cameroun réside dans les PME, PMI, le secteur informel, comme il a dit. Et les 10 autres pourcents relèvent effectivement des structures structurées. À partir de ce moment, qui est informel, qui devient formel, notre avenir va résider dans un entrepreneuriat de masse. Mais pour que ce soit un entrepreneuriat de masse, il faut que ceux qui forment la masse se mettent dans une professionnalisation vraie. Et j'interpelle ici les universités d'État qui sont des tutelles parfois sans la professionnalisation de masse. Et ça, c'est un problème parce que, en réalité, nous connaissons un vrai développement autocentré à partir du système école et non du système LMD. Le système LMD, ce n'est pas lui qui va nous sortir. Le Cameroun s'est développé à partir des écoles. Il y avait l'ESSEC de Douala, il y avait l'ENSA de Colbison, il y avait l'école, le CUS de Yaoundé, il y avait l'ENSIAC de Ngaoundéré. C'est le système école. Parce que dans le système école, nous avons la spécialisation, nous avons la réorientation et nous avons une certaine souplesse. Or, le système LMD qui nous est imposé n'arrive pas du tout à s'arrimer à la professionnalisation. Et c'est un problème de fond. Et ce problème de tutelle, il faut le résoudre, il faut l'adresser. Parce que, en réalité, il faudrait que nous puissions avoir de la flexibilité administrative pour atteindre les objectifs que nous appelons de tous nos voeux. Je crois que je ne voudrais pas plus m'étendre, mais il faudrait que nous certifions ces connaissances. Merci. Merci pour la contribution. Monsieur Philbert, question? Oui. Bonjour. Merci aux panélistes, aux intervenants qui nous ont abondamment nourris. Ma question va directement au professeur Ekambi, qui a parlé de plusieurs révolutions. Je me serais attendu à ce qu'il s'apesantisse davantage sur la révolution industrielle. Parce qu'en réalité, même si nous devons professionnaliser les enseignements, même si nous devons avoir dans le détail un peu plus ce qui concerne la professionnalisation, les métiers un peu plus, disons, un peu plus techniques, mais après, il faudra employer tout ce monde, toutes ces personnes. Mais davantage, qu'est-ce qui se passe? C'est que nos pays, et ça c'est très particulier à l'Afrique centrale, vous allez vous rendre compte que presque tous les compartiments du continent africain, l'Afrique centrale semble être le secteur le plus en retard. Quand on regarde l'Afrique de l'Est, l'Afrique australe, l'Afrique du Nord, l'Afrique centrale semble être le dernier secteur africain a véritablement décollé quand on regarde très bien. Et peut-être c'est dû un peu à notre histoire, peut-être c'est dû un peu à la gouvernance générale, mais on se pose quand même des questions sur le retard de l'Afrique centrale sur l'industrialisation.
très important. Et aujourd'hui aussi, dans la déconstruction de la société, parce qu'aujourd'hui, la société, les valeurs qui sont offertes aujourd'hui sont les valeurs qui bousculent les jeunes. Vous savez, aujourd'hui, on parle d'influenceurs. On a parlé beaucoup des réseaux sociaux. Mais les influenceurs, c'est qui? Les influenceurs, ce sont les fémans. Les influenceurs, ce sont les croqueuses de diamants ou de biscuits de mer. L'influenceur, aujourd'hui, pose la question. Ce n'est plus le jeune qui, dans le monde rural, a développé un secteur d'activité qui fonctionne bien et qui peut être une image, qui peut être, n'est-ce pas, un exemple pour les autres, parce que la communication, parce que ce qui est présenté, la communication n'est pas adaptée pour que justement les gens se détournent de ce qui les distrait et se concentrent sur les véritables problèmes. Je pense qu'au niveau de la communication, il y a quelque chose à faire. Merci beaucoup. Merci. Plus de questions, juste Guillaume, la dernière question. Merci, Monseigneur. J'ai été interpellé par beaucoup de questions qu'on a posées. J'ai beaucoup apprécié toutes les réformes que le professeur a mentionnées, mais je pense qu'à la base, il y a quelque chose que je pense qu'il faut faire. Le tout repose sur la réforme financière. Si on valorise les métiers, mais que l'État, pour payer ses employés, doit aller chercher l'argent à la FMI, à l'Union européenne, s'endetter, le problème, je pense que c'est d'ordre financier. Si un enfant finit le métier et que pour avoir une maison, il va s'endetter pour 17, 20, 25% d'intérêt, il ne va pas beaucoup avancer dans sa vie. Donc, c'est pour ça que le monsieur qui a dit comment passer des paroles aux actes, c'est l'éducation du peuple. Un petit exemple de ce qui s'est passé au Canada pour qu'ils aient les meilleures lois sociales, c'est que le peuple s'est éduqué. Vous avez parlé de qu'est-ce qu'on peut faire collectivement. Le matin, tout le monde appelait son député pour dire « Monsieur le député, vous pouvez nous donner une école, de l'eau, parce que la population était éduquée. » Et quand se rassemblaient au Parlement, ils avaient toutes les mêmes questions reçues de la population. Donc, c'est vraiment l'éducation de masse qui va faire qu'on va mettre la pression sur les preneurs de décisions, qui va faire qu'il y ait des changements. Donc, merci, c'était pour vous demander la réforme financière, qu'est-ce que vous en pensez, vu que le tout repose sur la monnaie, l'argent, les moyens financiers. Merci. Je considère tout cela, monsieur le modérateur, comme des contributions riches qui ne demandent même pas de réponse. Ce sont des contributions que nous devons tous intégrer, que ce soit la révolution industrielle, que j'intègre parfaitement, que ce soit la réforme financière et monétaire. Non, allez-y. Merci, Monseigneur. Une question a été posée sur le coût d'opportunité. Est-ce qu'on peut l'appeler coût de renoncement? Merci, Madame, pour la question. En fait, les deux expressions sont utilisées. Le coût d'opportunité en économie est généralement exploité dans le cadre des choix d'investissement. Et il est également défini comme le coût de renoncement au meilleur investissement alternatif relativement à celui qui a été choisi. Donc notre propos modestement est d'exploiter cette notion dans le cadre des choix, relatifs aux décisions de partir ou de rester, parce qu'en fait ce choix traduit un certain investissement. Partir ou rester, c'est un choix d'investissement et nous plaidons simplement pour que les autorités, dans l'ensemble des mesures mises en place, travaillent à ce que le coût d'opportunité et donc le coût de renoncement au pays d'origine soit le plus élevé possible à l'effet de décourager les décisions hâtives de migration. Merci. Voilà, nous arrivons donc au terme de notre partage de cette deuxième partie du panel. Il ne nous reste plus qu'à dire merci aux panélistes qui nous ont bien entretenus et je vois par la qualité de vos questions que tout le monde est resté attentif. Nous allons donc applaudir pour le partage ce matin. Merci pour
votre présence, votre attention et nous allons vous communiquer donc le programme de la suite. Merci Monseigneur. Je vais appeler ici Monseigneur Dieudonné Bahémek, vicaire général de l'archidiocèse de Douala, pour une communication orientée vers le programme de la semaine. Et par la suite, on va recevoir Monsieur Jean-Baptiste pour des orientations générales par rapport aux travaux qui se feront dès demain, et même cet après-midi. Monseigneur. Merci. Le programme, après les panels du soir, le programme prévoit les messes dans les communautés paroissiales à 18h30. Donc nous partirons d'ici à 17h30 pour éviter les embouteillages. Alors, 7 paroisses ont été retenu pour accueillir les évêques et les délégués, tous les délégués. Alors, d'abord, la paroisse Saint-Simon de Kondi accueille l'archevêque et les délégués de la zone Vouri 9. Donc, après la messe et le repas dans la paroisse, les délégués de la zone Vouri 9 peuvent aller facilement chez eux. La paroisse Toussaint de Soboum accueille son Excellence Monseigneur Jean-Vincent Ondo, les délégués de la zone Vouri 6 et la délégation du Gabon. Paroisse Saint-Louis de Bonabéry accueille son Excellence Monseigneur Nicolas et la délégation du Tchad, ainsi que les délégués de la zone Vouri 8. La paroisse Notre-Dame de Bonamoussadi accueille l'abbé Bertrand Tandy et les délégués de la zone Vouri 4. La paroisse Sacré-Cœur de Jésus de Nouvelle accueille le Père Saint Jules et la délégation de la République centrafricaine, les délégués de la zone Vouri 2, ainsi que le comité d'organisation. La paroisse Saint-Esprit de Bepanda accueille l'abbé Fernand et Yevgué, la délégation du Canada, lui, Eden, Even, les panélistes, la délégation du Congo et les délégués de la zone Vouri 3. La cathédrale accueille Monseigneur Antonio, secrétaire général de la CIRAC, et les délégués des zones Vouri 1, 5, 7 et 10. Vouri 1, 5, 7 et 10. Les religieuses s'orientent vers les paroisses qui sont proches de leur maison. Voilà. Parmi les 7 paroisses. Je crois que tous les autres reconnaissent leur zone. Alors, l'archevêque met à notre disposition des minibus pour nous conduire vers ces paroisses. Ces minibus seront postés à l'esplanade de la cathédrale à partir de 17h. De manière qu'à 17h30,
nous nous rendons dans ces différentes paroisses. Alors, on me fait dire la suite du programme. Cet après-midi, nous continuons avec les conférences avant le départ dans les paroisses. Et demain, les délégués ne viennent pas. C'est le repos. Demain. Le repos aussi, vendredi matin. Donc, on attend tous les délégués, comme nous sommes là, et les autres fidèles, vendredi à 15h, pour la clôture du colloque à la cathédrale. Vendredi, il y aura la messe, le concert de musique religieuse et le partage. Fidèles de Veritas, radio, télévision et internautes, les travaux du colloque international pour le phénomène migratoire se poursuivent ici à l'Université catholique Saint-Jérôme et on s'achemine vers la fin de cette deuxième matinée parce qu'il faut préciser qu'après le break qui va être observé, les délégations vont se retrouver dans l'après-midi pour une deuxième partie. On vous revient. M'ont encore fait penser à ce voyage. Nous sommes nourris dans notre tête. Comment prendre tout ce que nous avons dans la tête, le mettre dans notre cœur pour le vivre? Et vous vous souvenez que c'est la raison pour laquelle ce colloque a la spécificité de joindre les débats que nous avons eus ce matin avec des ateliers. Et cet après-midi encore, nous aurons des ateliers après le troisième panel qui aura lieu l'après-midi. Et les participants iront dans la même salle où ils étaient hier et dans les mêmes groupes qui étaient très actifs. Ils ont commencé à former, n'est-ce pas, des groupes de famille et même des groupes de WhatsApp pour continuer à s'échanger, ce qui est formidable. Et demain, comme l'a dit le vicaire général, nous allons continuer à capitaliser sur l'ensemble des travaux que nous avons eus aujourd'hui. Mais cette fois, ne viendront demain que quelques personnes qui ont été sélectionnées et qui, de temps en temps, captent ce qui ressort de ce que nous faisons. Ils viendront tenter de le mettre ensemble pour préparer une mouture, la première mouture du guide pastoral que nous recherchons, qui sera soumis à l'appréciation de nos pères évêques vendredi, je crois, oui, vendredi. Ils vont l'examiner et on l'espère. Nous aurons à la sortie au moins une mouture d'un instrument qui pourra servir à donner un visage humain à la migration, pas seulement dans notre sous-région, voire dans l'Église universelle. Alors demain, vous serez dans les paroisses, mais comme l'a dit si bien le vicaire général, nous nous retrouvons le vendredi. Et cet après-midi, nous nous retrouvons dans les paroisses après tous les travaux. Et excellent, je crois que dans les paroisses où on a cité la présence des prêtres, nous aurons aussi des vicaires épiscopaux qui vont, au nom de l'archevêque, n'est-ce pas, donner des sacrements de confirmation comme cela a été fait. Donc tout ce qui a été prévu dans les paroisses, ça se fera, même si ceux de nos pères qui étaient là hier sont partis à Yaoundé pour autres obligations. Nous allons continuer les programmes tels qu'on les avait prévus. Encore une fois, très grand merci. Permettez-moi de vous souhaiter bon appétit pour tout à l'heure. Et nous nous retrouvons à quelle heure dans l'après-midi? Ah voilà, il va dérouler le programme de cet après-midi. Merci. Merci Jean-Baptiste. Donc, tout de suite après, nous allons nous retrouver pour un agape fraternel dans les règles de l'art, n'est-ce pas, et en suivant les consignes qui ont été mises en place par le comité d'accueil. Et nous nous retrouvons ici à... Il est 12h34
Donc, nous nous retrouvons ici à 14h00. Où nous allons accueillir Monseigneur Samuel Cléda comme modérateur de ce dernier panel avec les autres intervenants. Nous vous remercions. Applaudissons encore pour ce panel, Monseigneur, et tous les enseignants ici présents. Dear listeners of Radio Veritas, we've come to the end of the discussions on the second day of this international colloquium to elaborate a pastoral guide for migration in Central Africa. Well, the first part of panel discussions on this second day focused on essentially on the juridical and political aspects of immigration, as well as the socio-economic dimension of migration in Central Africa. So what for the second day and the first phase has just come to an end, and now we have a break, and work will resume at 3 p.m. Changer sur d'autres thématiques aussi importantes que la coordination de l'archevêque de Douala, son excellence. Présenter, n'est-ce pas, des solutions qu'il faut, et cela va nous permettre, n'est-ce pas, de s'attaquer vraiment à ce phénomène qui nous fait tant souffrir. Il ne s'agit pas tout simplement, nous ne visons pas simplement, n'est-ce pas, la rédaction d'un guide, mais nous avons en même temps, n'est-ce pas, à ce que les gens s'amusent, les gens s'engagent, n'est-ce pas, à lutter ou à orienter les choses au niveau de la migration, d'apporter à la migration. Merci beaucoup, Excellence. Question, Excellence. On a parlé de... La personne humaine. Mais pour résoudre tous ces problèmes, le problème de pauvreté, le problème de misère, de gens qui se trouvent selon les différentes raisons données, n'est-ce pas, pour pouvoir résoudre tous ces problèmes, on ne peut pas le résoudre, n'est-ce pas, avec un bâton magique. C'est chaque fois, en parlant, chaque fois, on prend progressivement, on prend conscience de ces problèmes-là, et je crois qu'avec le temps, qu'on peut, n'est-ce pas, trouver une solution. Et la solution, elle ne sera pas totale. Mais je ne suis pas pessimiste, mais nous aurons toujours, n'est-ce pas, à se poser ce problème et d'avancer les solutions qu'il faut. Merci beaucoup, Excellence. Comme vous pouvez le constater, nous sommes à l'esplanade de l'Institut catholique Saint-Jérôme de Douala, où nous attendons, où les délégués sont en train de sortir, de se disperser pour prendre un petit repos avant de continuer
John Neba. Exactly, Sylvestre Ndomo. It's a very important exercise. We are talking here about an international colloquium on the, migration, given that migration remains one of the burning issues we have, not only within the Central African region today, but in Africa in general. And that is why we have delegates who have come from different parts of Central Africa to be part of this important colloquium. And as you got it from the Archbishop, we're certainly hoping that all those beautiful decisions that have been taken here are going to be on the pastoral guide that will help go a long way to find, you know, some challenges, solutions to some of these challenges. Reverend Father, you are a delegate to this colloquium since yesterday, and you have been following the various panelists keenly, and Reverend Father Henry Major is of the Holy Spirit Parish in Bepanda Omnispor. Father, 2 days already into this colloquium, as an individual, as a priest, on a personal note, what can you say about what you have been able to learn for these 2 days? Do you see some kind of change in the young number of young people? We see the people, young people, dying today in various seas and in various adventures abroad. John Ivan, thank you. It is a pleasure indeed to be able to communicate again with Veritas. These days we are spending here at a grateful moment, because in parishes like Bepanda and all over the country, we see a lot of young people in this very issue. And I was blessed on Sunday to have young of the migrant just arriving. He wanted to confess on Sunday, and I received him. And it was really a confession. He went through 7 countries, and now he decided to come back home and to settle. And coming to hear all of these presentations that we have these days, they are very nourishing and also challenging us at the level of the faith. Because migration, of course, it is something that is related to our core being as a human person. We'll always move. But nowadays, I think as a church, it is really important for us to help young people to be able to change the way of thinking, and to come to realize that heaven is not somewhere else. Heaven is always where the Lord places you. There is a song, you have to bloom where God has planted you. And for us, I think, with all that we are sharing, we can name a lot of reasons, but the most important at the end of the day, it is come to this conviction that even here where God has put me, I have to do something, because Africa, Cameroon, Central Africa, we are not just, we are not the last ones. We have all that we need. And I really like one of the panelists this morning talking about the contrast, hunger in the midst of abundance. And I think it is the reality where we are now. We cannot be throwing ball on somebody else. Father, given that you are a religious authority, we also know that insofar as these young people are traveling abroad or to other countries to look for a better life, some of them have lost faith in God. Some don't even still believe that there can be a way forward. It's a form of total illusion. What can be done in this situation? Thank you, because it is a very important question, and it is why precisely the church has to be there, because some of those remain in their faith as long as in the countries where they pass through, they still connect with religious. We are lucky as a religious congregation that some of our brothers, even one of the Cameroonian spirit, and is working with migrants in Italy. A few months ago, I recommended to him one of the Cameroonians from our parish that got stuck in Italy. And he connected, and he was able to get out, that young lady, and it was also prayer accompaniment. And it is why, as a church, we do not only have to connect with those going, and even the families here, to nourish them in their faith, to strengthen them, and to help them. We have to be the church that accompanies them in this difficult situation. That is a real struggle. And I think it is our task, and we have to do it very fast. We cannot keep waiting.
Thank you, Reverend Father Henry Mejo. We're just going to continue, of course, talking about migration, which is very important, and especially as this colloquium is concerned. Sylvestre Ndoumou will certainly continue with more of the contributors, the participants. Sylvestre. Merci beaucoup, John Eba. Nous allons nous tourner à présent vers l'administrateur général de l'Institut catholique Saint-Jérôme de Douala qui accueille ce grand colloque international sur la migration. Bonjour, Sa Majesté. Oui, merci de me donner l'opportunité de communiquer. Voilà. Merci, Sa Majesté, docteur Emmanuel Poué. Alors, la première question que je vous pose, c'est de savoir par rapport à ce colloque international qui est organisé ici, puisque l'Institut catholique Saint-Jérôme forme les jeunes. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes fortement interpellé par les enseignements, les réflexions qui sont faites ici? Oui, je crois que nous sommes en plein dedans parce que, en réalité, nous avons déjà adressé cette problématique dans le temps quand nous avons fait un colloque ici sur l'émergence à visage humain de l'Afrique. Et ces éléments nous interpellaient déjà. Et l'élément migratoire ne vient que s'ajouter en complément à ce que nous avions déjà vécu dans le temps. En toute vérité, les vrais problèmes, il faudrait adresser, canaliser la réflexion fondamentale de notre monde rural à notre monde d'aujourd'hui. Autrement dit, il faudrait jumeler les défis de notre millénaire, c'est-à-dire que les défis culturels et les défis numériques. Et ces deux défis-là, ils doivent être jumelés, adressés de manière à leur donner une certaine synergie pour que l'on retrouve ça dans les cinq savoirs qu'il faudrait implémenter pour la formation de l'étudiant. Nous voulons dire tout simplement que le savoir scientifique, académique, à lui seul, il ne suffit pas pour transformer notre environnement. Parce que la pauvreté est un élément qui nourrit fortement la misère, qui est un élément source de la migration. Parce qu'on pense que l'Eldorado est ailleurs. Et tous les réseaux de connectivité nous montrent cet Eldorado ailleurs. Donc il faut déjà, premièrement, résoudre à la souche le problème du savoir scientifique. Ce savoir scientifique, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est nécessaire, il est fondamental, c'est des prérequis, mais ils sont insuffisants. Vous devez ajouter à ce savoir-là, et c'est ce que Saint-Jérôme essaye de faire, vous devez ajouter là-dedans le savoir-faire. Le savoir-faire qui est l'applicabilité, l'opérationnalisation de ce savoir scientifique qui transforme donc notre environnement. Et ça, ce n'est pas du tout évident. Comme on dit, n'est pas professionnel qui veut, mais est professionnel celui qui l'a vécu dans le secteur qui est le sien d'abord. Et ça, ce n'est pas de la graine semée partout. Il y a une certaine sélectivité, il y a une certaine spécificité qu'il faut mettre en branle pour pouvoir être dans le savoir-faire. Et ce savoir-faire-là, en plus du savoir, doivent s'accompagner donc par le savoir-être. Parce que l'homme étant ambivalent, l'homme étant tout ce que vous connaissez, il a d'autres dimensions d'égoïsme, il a d'autres dimensions du moi dans son humain qui lui donnent une forme d'égoïsme et qui confisque, y compris les biens de l'autre. C'est ce que j'appelle la corruption. Et cette corruption-là, elle est rampante, elle est tout azimut, elle est partout. Et c'est ce qui mine même le développement autocentré. Et cette dimension-là, malheureusement, on ne l'enseigne pas facilement à l'école. Vous savez que le Cameroun est plein d'agrégés, de plein d'intellectuels, malheureusement, dans la dimension du savoir-être, dans la dimension de l'éthique humaine, eh bien, on a beaucoup à apprendre. L'autre savoir qu'il faut, c'est le savoir-faire-faire, qui est relatif à l'apprentissage organisationnel. Celui-là qui est même le nœud de la professionnalisation, parce qu'il y a des comportements attitudinaux là-dedans. Et ça, tant que vous n'avez pas exercé, parce que ça relève des pratiques, ça relève des comportements dans un contexte défini,
liée à une certaine transmission qui relève de la culture, une culture d'entreprise. Ça, là, ce n'est pas dans les universités, c'est dans les entreprises, dans les industries. Et comme je disais, l'industrie, c'est celle qui transforme l'environnement. C'est celle-là qui est la base de la croissance. Et je l'avais dit, je disais que mieux émergent que ceux qui transforment 35% de leur produit intérieur brut. Or, nous sommes à 15%. Comment devons-nous donc atteindre 35% pour être émergent? Ça veut dire qu'il faut transformer le système éducatif qui est fait aujourd'hui du LMD en système école, mais en système professionnalisant. Et là, il faut de la flexibilité, il faut de la culture. Et ça, c'est dans le savoir-faire exister, qui est environnemental, qu'on appelle, et que le pape appelle, l'écologie intégrale, qui met l'homme au centre du développement et qui emprunte à la culture de la solidarité, celle que nous ont légué nos ancêtres et que nous développons parfois d'une manière superficielle et surfacique dans le panafricanisme en disant solidarité africaine, qui est l'élément essentiel même du développement et de l'épanouissement dans nos sociétés. Voilà ce que Saint-Jérôme essaye d'implémenter, d'opérationnaliser et de faire pour pouvoir s'adapter dans le contexte de l'étudiant qui doit avoir un emploi ou une entreprise. C'est-à-dire qu'il doit avoir une idée d'entrepreneuriat de masse à Saint-Jérôme pour que nous puissions en fait transformer tout le monde en entrepreneur d'une certaine dimension. C'est vrai, il ne faut pas rêver, tout le monde ne va pas être entrepreneur. Mais il faudrait que la majorité puisse avoir l'idée d'entrepreneur. Et c'est ça qui est important, et c'est ça que Saint-Jérôme fait. Donc, Saint-Jérôme s'inscrit totalement dans la démarche, et c'est dans ce cadre-là que nous sommes prêts à implémenter des certifications qui intégreront la dimension humaine intégrale pour son épanouissement. Voilà ce que je voulais ajouter tout simplement, en plus de tout ce que nous avons vécu. Merci. Merci. Vous venez de suivre donc Sa Majesté le docteur Emmanuel Poué, qui est l'administrateur général de l'Institut catholique Saint-Jérôme. C'est ainsi que va prendre fin cette première partie de ce colloque international pour cette matinée. Nous allons conclure avec John Eba. Nous allons conclure avec John Eba pour dire merci également à ceux qui nous suivent. Certainly, Sylvester Ndumu, this colloquium, it's going to end on Friday, but already as the various reactions we have had, the various contributions we have had, we know it's going to go a long way, to find solutions to the challenges of migration, illegal migration today. We have seen young people dying, we have seen young people, who are not employed, or young people who are faced with several difficulties, who are struggling to leave the country, or who are struggling to leave their various countries for a better life abroad. And that is why the bishops of Central Africa have organized this beautiful initiative. We are going to be coming back to you on Veritas Radio and Television as far as this important activity is concerned, as far as this important event is concerned. Stay tuned to our programs. Together. Qui brandissent leurs bracelets rouges comme une victoire. Je vais m'adresser à eux. Vous avez l'air tellement heureux. Les gardes-côtes viennent de vous récupérer. Vous pensez que vous avez gagné la partie? Tout le monde vous félicite, vous applaudissent. Quel courage! Quelle folie, quelle bêtise, oui. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je vois déjà sur ce bateau les blancs vous gérer. Ils vous sauvent. Vous allez dépendre d'eux pour la suite. Votre avenir repose sur leur bon vouloir. Les gentils blancs qui aide les pauvres noirs, ça ne me plaît pas. Ça me rappelle de très mauvais souvenirs. En brandissant vos poignets à bracelets rouges, vous faites la publicité d'un monde à venir que vous ne connaissez pas. Une Europe fantasmée, des rêves de vie faciles, l'argent facile. Vous n'avez pas idée même de ce qui vous attend. Rien ne correspond à ce que vous imaginez. Vous vous trompez. Et beaucoup plus grave, vous trompez les autres, vos frères, vos fils. Pour une poignée de bracelets rouges, combien de blessures, de tortures, de brûlures, combien de noyés qui hantent le fond des mers et leurs bébés, des enfants morts
qui flottent comme des poissons morts. Une jeunesse africaine qui subit les pires humiliations en Afrique du Nord, la Libye, le Maroc, qui ont réinventé l'esclavage moderne. Mille et un récits dignes de films d'horreur. Vos fils et vos frères et vos pères, pourchassés, qui dorment dans la forêt comme des bêtes. Vous le savez, affamés, assoiffés, exploités, méprisés et battus. Quand vous brandissez votre bracelet rouge, c'est le rouge du sang coulé. Et qui coulera tout ça? Pourquoi? Votre pays est en guerre? Vous êtes des réfugiés politiques? Vous abandonnez vos terres et vos mères pour une aventure mortelle. Les dangers de Tanger sont bien réels, très cruels. Filles et fils de la Côte d'Ivoire, ne vous laissez pas séduire par ces sourires victorieux. Comme la légende des marins séduits par le chant des sirènes pour enfin les dévorer. Ne vous laissez pas dévorer. Restez en vie. Restez. Résistez. Réussissez.